Tout le monde est là? Ting ting gray, nanana. A ting gray. Alors, est-ce que tout le monde va bien? Est-ce qu'on m'entend bien déjà? C'est important quand même. C'est important qu'on m'entende. A priori, oui, on m'entend bien. Alors, je vais dire bonsoir à tout le monde qui dit bonsoir là sur le chat parce que ça défile, hein, ça défile. Oui, 12 ou 3, je sais plus combien. Donc 14, putain, pas mal, hein, dis donc, pour un démarrage. 15, même, extraordinaire. Alors, bonsoir Thierry Var, bonsoir Devil, bonsoir Chris Neumeyer de retour. Rêve pas, il doit être au dessert ou à terre. Voilà. Et voilà. On peut pas s'absenter 2 minutes sans que ça, hein, ça happe des béquilles en loose day comme ça. Ça, c'est un tacle glissé par l'arrière, ça, monsieur Neumeyer. Chef Zoran, comment on devient chef? Chef? Bah, c'est facile, faut faire tomber. Il y avait une série, une très bonne série là-dessus. Je sais pas si vous vous souvenez. Qui se souvient de. Christian, il s'en rappelle. Je suis sûr qu'il s'en rappelle. Jim Profit. Une série qui n'a pas duré longtemps parce qu'aux États-Unis, ils ont dit ouais, c'est un peu mauvais esprit cette série. On s'attache à un héros antipathique qui rentre dans une société et qui fait tout pour faire tomber un à un tous ceux qui sont au-dessous de lui selon un organigramme très établi. Donc en fait, il identifie le poste qui est au-dessus de lui, celui qui gêne pour accéder à ce statut-là. Et le but est de grimper les échelons de la société jusqu'à devenir le numéro 1. Jim Profit, excellente série américaine, assez vieille, bon, qui a été arrêtée en cours de route. Malheureusement, alors non pas parce qu'elle ne marchait pas, mais parce qu'a priori c'était un peu mauvais esprit. Mais bon. Moi j'aime bien le mauvais esprit, vous me connaissez. Alors, Ludic Family Series, j'ai pas de grenadine, est-ce que je peux me dire quand même? Bien sûr, c'est sans grenadine, tant que t'as une binouze, un truc, ce que tu veux. À boire avec modération, bien évidemment. Benjamin Cortez, bonsoir. Baxdraft, chalut. Johan Baroudel, bonsoir aussi. Fab, mais quel jeu d'acteur! Bah, peintre, acteur, l'étalon varois, on m'appelle. On trouve mes DVD entre les films d'horreur et les films d'auteur, un peu dans le fond du vidéoclub. Je vous laisse deviner quelle catégorie. Almi, yo. Pena Marco, alors il y a des noms que je connais pas. Hein. Pena Marco, Hello, Elisabeth Isorodo. Isodoro que je connais. Non, j'ai raté ce message, je vais le lire là. Je ne sais pas quel message tu as raté, mais on va sûrement. 101 cartons. Pena Marco. Voilà. Là, ça commence à dire des trucs. Dans un carton, il dort. Voilà, oui, tout à fait. Bien. Je vois qu'il y en a qui s'en rappellent. Il dort dans un carton et il couche avec sa mère. Bah, ça y est, la vidéo YouTube s'arrête direct. J'ai dit, il couche avec sa mère. Je pense qu'on est, on les banne. On ne pourra même pas démarrer. Mais bon. Bien sûr que je m'en rappelle, j'ai les épisodes en coffret. Un vrai, Christian, un vrai de vrai. Avec Adrien Pazdar. Alors, les acteurs, moi, je me souviens plus, c'est Adrien Pazdar. Bah, écoute. Enfin, super, quoi. Petite question, je me suis pris des Sisters of the Thorn et je pense faire des cerfs en blanc. Tu, la fourrure en brun, tu me conseilles quoi comme couleur pour les bois? Oh là 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 là. Bah, ce qui te tombe sous la main et qui te paraît sympa. Je te dirais, te prends pas plus la tête que ça. Après, tu peux t'inspirer. Moi, je conseille toujours pour des. Quand on veut faire des animaux, des choses comme ça. Ou même des monstres, de s'inspirer des couleurs et des textures du réel. Parce que je trouve qu'apporter du réel dans des figurines fantastiques, bah, ça les rend d'autant plus crédibles. Que ce soit au niveau des textures de peau, de fourrure, etc. Je trouve que c'est une bonne idée. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais l'idée est là. Enfin, j'ai l'idée en fait. Voilà. Après, est-ce que je la fais bien? Ça, je sais pas, mais j'ai l'idée de le faire comme ça. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Il couche avec sa belle-mère, tout à fait. Allez, deuxième ban YouTube. Salutations, content de te suivre enfin en live. Eh ben oui, Johan Museau, oui, nouvel abonné, je suppose. Voilà, bah tu vas voir, nous, c'est rigoureux, c'est peinture, c'est tutoriel, avec vraiment étape par étape. On est sur quelque chose d'organisé, de propec, entre gentlemen, très. Voilà, hein, pas un mot plus haut que l'autre. On est sur de l'organisationnel et de l'efficacité, avant tout. Pour les yeux, en bleu clair. Pourquoi pas? Bon, eh ben écoutez, on va pas traîner davantage les copains. On va aujourd'hui, enfin ce soir, parce qu'aujourd'hui ça n'a plus de sens, il fait nuit noire. On va terminer notre bonhomme de Tintingrel. Donc c'est Béor le bûcheron. Et Béor, on est bien avancé. Les gens ont bien aimé le tablier, hein, j'ai vu ça sur les réseaux là. Alors que c'est ce qui a été le plus rapide à faire, comme quoi des fois on se casse le cul pour faire des trucs. Et les trucs qu'on fait en 2 secondes, ça marche. Bon, bah, comme quoi. Ça en dit long sur notre monde actuel.
Non, c'est vrai que le tablier, c'est bon, c'est une petite recette que je connaissais un peu déjà. Enfin, que j'utilise un peu déjà. Donc, quand on va dans les recettes qu'on sait faire, ça va toujours plus vite et c'est un peu la sécurité. Voilà. Bah, il ne nous reste pas grand-chose à faire. Hein. Donc, normalement, Béor, bah, Torchado ce soir. Et après, bah, on va commencer. Comment ça s'appelle? Ailey. Alors, vous la voyez toute blanche là, mais je vais diminuer après le. Je vais diminuer comment s'appelle l'exposition pour que vous puissiez voir parce que là c'est sous coucher blanc donc c'est. Oh! Ça fait mal aux yeux. Vous verrez. Vous verrez les copains. Christian Neumayer, le public des Hauts-de-France ne comprend pas pourquoi on serait ban. Eh oui, tout à fait. J'ai pas compris. Bah, si, des fois je comprends pas les blagues, moi je suis pas très bon. Béor le forgeron, pas le bûcheron. Voilà, tout à fait, le forgeron. Pourquoi je dis bûcheron? Rien à voir. C'est un forgeron. Et Aley. Aley, on. Ah, je... Hey, background, Aley! Aley! Non, c'est Aley, pas Aley. Oh, je sais pas trop comment on dit. Qu'est-ce qu'elle nous dit, elle? Une paria dans ma famille a péri dans le weird. Elle survit en troquant des herbes et des racines médicinales avec des habitants. Bon, c'est un dealer, quoi. Hein? Voilà. Donc après, on peint un dealer. Une dealeuse. Attends, je remets le carton là parce que toujours l'idée, c'est essayer de respecter un peu le. Qu'on n'a pas du tout fait d'ailleurs, tiens, tout s'écroule. C'est de respecter un peu normalement l'artwork, l'esprit, tout ça. Bon, après, je vous avouerai qu'on s'en éloigne des fois assez souvent. Là, on s'en est un peu éloigné parce que il n'y a pas tant de bleu que ça dans notre truc, alors que je voulais rester dans du teint bleuté. Bon, c'est raté, hein. Avant que je commence, est-ce que la musique est pas trop forte? Vous me dites dans le chat si la musique est trop forte et après j'attaque. Vous savez quoi? J'attaque avant même que vous me disiez si c'est trop fort, pas trop fort. Je m'en fous, je suis un dingue, moi. Alors, on va faire le pantalon. On va finir notre pantalon. Alors, le problème, c'est que je ne sais plus les couleurs de base que j'avais utilisées pour faire ce pantalon. Ce qui est toujours très pratique après quand on veut. Ça ressemble à quoi? C'est pas mal, ça. C'est pas la base, mais en éclaircissement, ça irait bien. Et puis, on va pas se faire chier. On va le faire en brossage, les copains. Hein? Vous en pensez quoi? Allez, on va faire ça. Brossage, parce que le brossage c'est la vie. Il y en a qui vous disent oh, brossage à sec, technique de noob. Je t'en filerai, moi. Il n'y a pas de technique de noob, il n'y a que le résultat qui compte. Vous avez vu? Surfing. Ouais, j'étais surfeur avant. Ouais. Une vague terrible, planche de surf dans le genou et j'ai dû arrêter. Je me suis mis à la peinture sur figurine. Assez loin tout ça, tu sais, Cody. Non, je remonterai pas sur un surf, Cody, même pour la compète de l'année. Laisse tomber, Cody. Je suis plus bon à ça. Alors, je vais prendre mon pinceau spécial brossage à sec. C'est celui-là. Je vais le prendre et après je vais vous dire ce que j'en pense. Donc je prends ça, parce que je l'ai acheté, alors je vais l'utiliser. Mais ça sert à rien en fait. En fait, c'est ni plus ni moins qu'un pinceau à maquillage un peu. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel pinceau un peu dégueulasse, si ce n'est qu'il a une pointe un peu ronde, et ça fera le job. Donc, pas besoin d'investir dans du small artist opus série D qui coûte un petit bras d'enfant, de nourrisson de 3-4 mois, pour faire ça. C'est mon avis. Je pense que c'est pas nécessaire. Voilà. Donc, si j'avais l'idée de faire un jour un partenariat avec eux, c'est flingue. Alors, après. On va brosser là les copains. Là, on va brossage, c'est brossage. Hein. Brossage, j'ai mis la peinture rouge, je l'ai mis sur ma palette. Alors là, je la cherche. Alors quand on fait un brossage, on met notre peinture là à sec, d'accord? C'est-à-dire qu'on la dilue pas. C'est un brossage à sec. On va pas diluer la peinture pour faire un brossage à sec. Ah mais faut suivre là. M'énerve. Après les gens ils comprennent pas. Il est où mon beau pinceau? Il est là. Je vais acheter un gros pinceau avec une petite pointe d'oeil et un gros réservoir. Comme j'aime. Je mets là. Je me servirai tout à l'heure. Donc ça, on fait ça. Ensuite, j'essuie. Ouais, j'ai pas de caméra. J'ai pas de caméra palette encore. Mais avec le Tipeee, un jour peut-être, hein, si tout le monde s'inscrit sur le Tipeee, il suffit que tout le monde s'y mette et file 3 euros. Et on est bon. Hein. On a notre caméra palette. Moi, je dis ça, je dis rien. Et là, on brosse le cucu. D'accord? Donc on brosse le cucu. Alors voilà où passe l'argent des tipeurs dans les pinceaux bling bling. Non mais je reconnais. C'est vrai qu'il y a une partie des tipeurs qui ont financé ça, là, ce truc-là. Mais pour le brassage à sec, je prends les pinceaux à maquillage de ma femme. Elle s'en rend compte de rien. Mais ouais, mais moi c'est pareil. Moi c'est pareil, je prends c'est ce que j'aurais dû faire. Parce que de toute façon, elle se maquille plus. Là. Alors, bon, au début, voilà, c'était une dizaine d'années. Bon, voilà, ça se maquille. Bon, après...
Passé la première semaine déjà, ça part en autre boudin. Alors je te raconte pas au bout de 8 ans de vie commune, enfin 10 ans pour ce qui me concerne. Alors là, je veux dire. Je surveille quand même. Alors, on brosse le cul. Donc là, j'ai fait. Voilà, je brosse. Alors, ce qui est intéressant, brossage à sec, on ne fait le brossage à sec que sur une peinture, on a de la texture, on est bien d'accord, les copains. Ça n'a aucun intérêt de le faire sur une peinture, sur une figurine où il n'y a pas de texture. Je teste en général d'abord sur mon pouce. Vous voyez comme là, là. Voilà. Dès que je vois que mon pouce il est pas mal brossé, bah j'y vais. Allez, je brosse le cucu. Je brosse le cul. Alors vous voyez, c'est pas très propre hein, comme résultat. Mais bon, c'est une figurine de jeu, on s'en fout. Hein, on n'est pas là pour. Chut. Voilà. Le but c'est d'y apporter un petit peu de lumière. Un petit peu, voilà, on dit pas non plus là. Peut-être un peu trop sec là, peut-être le mouiller un petit peu. Voilà. Allez. Allez, je mouille un petit peu, c'est une concession que je fais là. Normalement, on ne devrait pas. Hein. Voilà. J'assiste un peu là, pourquoi? Parce que c'est un volume, vous voyez? Je vous dis, vous voyez, mais si je fais pas dans l'axe du truc, vous voyez pas. L'intérieur des cuisses, je vais pas brosser, on est d'accord? Parce que c'est pas super accessible, et puis ça n'a pas d'intérêt, c'est un peu à l'ombre à la limite. Voilà. Donc là, on a broché un peu plus sur l'arrière. Ce qui n'est pas idiot, parce que c'est les zones qui vont s'user le plus vite sur un pantalon. Hein, parce qu'il pose ses fesses sur des cailloux, des machins. Vous savez, Béor, c'est pas un mec respectueux, c'est pas trop un mec soigneux. Hein. Le mec, il pose son fion où c'est qu'il y a un endroit pour poser son fion. Il se pose pas plus de questions que ça, le Béor. Hein. Donc à un moment donné, à part porter du soin, si Béor lui-même n'est pas soigneux, c'est pas nous qui allons l'être pour lui, d'accord? Hein? À un moment donné, moi je veux bien le peindre, je veux bien lui rendre service, mais je vais pas le faire propre là où il est pas propre lui-même. Hein? Bon, faut pas déco, tiens, mange du marteau, on profite. L'avantage c'est qu'on peut déborder là parce qu'on a notre tablier qui de toute façon lui. De toute façon, notre tablier, dans l'esprit, lui, il était plutôt déjà en mode dégueulasse. Donc voilà. Et du coup, je me retrouve à l'envers. C'est pas facile à orienter la figurine. Ailee, la guérisseuse ou l'enchanteresse, à mon avis, perso. Ouais, c'est ça. C'est une dealeuse, quoi. Ouais, c'est ça, elle remplit ses fins de mois comme elle peut. Hein. Elle vit dans la forêt, elle bouffe des champignons, c'est déjà la galère. Hein. En plus, elle est envoyée. Dans un avalon en décadence, rongé par le weird pour sauver le monde, inutile de te dire que ça va pas l'aider à passer à autre chose qu'à du champignon, la pauvre. Ouais, elle commence à peine à s'en sortir, hein, la petite Alley, là. Elle commence à peine à voir le bout du tunnel que. Ouais, c'est malheureux. Hein. C'est vraiment malheureux. Voilà. 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 Allez. Bon, bah, c'est pas mal fait, c'est plutôt. Ça marche. Ça marche, ça marche, vous voyez. Au niveau du fut. Ça suffit. Hein. Alors, on va peut-être un peu confirmer l'éclaircissement. Allez, pour la forme, mais. Au petit pinceau. Mais dans l'idée, ce qu'on a fait là, on peut dire que ça suffit. Alors, vous voyez pas la palette, hein, encore une fois, je suis désolé, mais sincèrement, dès qu'on aura un peu des sous-sous, on essaiera d'investir dans un système pour caméra palette. Parce que. Je pourrais le faire au portable, mais c'est pas convaincant. Et puis, en fait, il faut synchroniser le truc du portable. C'est compliqué, les gars. Voilà, là, maintenant, je vais venir, si vous voulez, attraper ici. Donc là, je suis plus en brossage, je suis en pinceau fin, avec une couleur un peu plus claire que ce que j'ai utilisé pour mon brossage. Et je viens attraper les plis ici, supérieurs, voilà, pour les mettre un peu en valeur. Voilà, ces plis-là, parce que, étant donné que la couleur là va pas être brossée, mais appliquée au pinceau, elle va de suite être plus franche. Hein, vous le voyez directement là. Vous voyez clairement que c'est beaucoup plus franc au niveau de l'application. Donc là, je dilue ce qu'il faut pour que ma peinture soit fluide, mais pas trop non plus pour garder la maîtrise de mon application. Hein, parce que le problème, c'est que si je dilue trop, après ça devient de la flotte et je peux plus contrôler ma pose de lumière. Montrer plus que ma pose de lumière, excusez-moi. Voilà. Si vous avez des questions sur ce que je fais, comment je fais, pourquoi je le fais, n'hésitez pas, on est là pour ça. Hein. D'accord? Même si on dit des bêtises. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont joué un Tintingrel là?
Qu'on peint du Tintingrel, on peut parler de Tintingrel, hein. Est-ce qu'il y en a qui connaissent le jeu, qui ont un peu joué, qu'est-ce qu'ils en pensent? Je vous dirai, moi, ce qu'on en pense avec les copains. Ce que j'en pense, moi, parce que du coup, j'ai un peu évolué, moi, sur la question aussi. Pas tout à fait du même avis, peut-être, que les copains, je pense, avec qui j'ai joué. Voilà. Alors. Ah, excusez-moi, j'ai pas lu les messages. Alors, bon, ça, je sais que je prends les pinceaux. Alors, Christian, on va passer l'argent au tipeur. Je vais lire les messages. Joël Museau, sérieusement, si c'est le cas, je vais faire pareil avec ceux de ma copine. Non, mais test, sérieusement, test. Parce que un pinceau forme ronde avec un poil suffisamment doux peut te permettre de faire ce travail-là sans que tu investisses trop, je pense. Oui, François, mais faut pas prendre les gros pinceaux. Les poils sont trop souples. Bref, fouille. Ouais, après, faut pas que ce soit trop souple non plus, c'est vrai. Par contre, aurait une peinture Army Painter qui est comme la Raka de Citadel. Oh, je sais pas du tout. Ok, Johan, merci pour les conseils. Tout à fait. Bonsoir, on est 30. Unbelievable. 30! Je crois que c'est un record. On n'a jamais été 30. C'est dingue. C'est dingue comme les gens n'ont rien à foutre le jeudi soir. Franchement, pour me regarder, moi, faire. Excusez-moi, votre vie est triste. Hein. Franchement. Voilà! Bon, c'est fait et ça suffit, pantalon. On fait plus? Non, on rigole ou quoi? Suffit. On fait, allez, un peu de weathering pantalon. Hein? Weathering pantalon, c'est quoi? Bah, c'est des petites traçasses comme ça. Pof. Faut que ce soit fin, dit-il en faisant des gros traits moches. Donc, fin, il faut une pointe fine. Toc. On va le faire essentiellement sur les reliefs. Voilà. Bon, ça suffit. Ça suffit, weathering. Voilà, ça suffit. Alors, maintenant il y a là aussi. Là, en fait, j'avais oublié de le faire version cuir, mais là, c'est du cuir, là, les copains. Donc là, il faut cuirer cette partie-là. Voilà. Là, on va faire avec la pointe, on va faire du stippling. C'est-à-dire qu'on va faire des petites traces de pinceau comme ça pour texturer. D'accord? Parce que là, on voit que c'est un cuir usé. Vous voyez les petits bords là? Ils sont tout rongés, un peu cassés, etc. Donc, comment on fait ça? On ne se prend pas la tête. On fait comme je fais là. Vous voyez, sur le bord, on fait des petits tapotages comme ça pour suggérer un peu l'usure du cuir, ouais, son frottement, etc. Le but, c'est d'y apporter un peu de texture. Vous voyez, grosso merdo. Hein. On n'est pas là pour. Voilà. Tac, tac. Voilà. Une fois que c'est fait, on prend de la couleur un peu plus claire et on va faire la même chose, mais sur des parties plus réduites. Oui, hop. On essaye de pas être trop régulier. Pas que ce soit trop scolaire non plus, ce travail-là. Vous voyez bien, ouais. Vous me dites si c'est mal cadré. Normalement, j'ai encore changé un peu la manière de faire. Je change tout le temps, moi. Le mec, à chaque live, il change sa manière de faire. Donc forcément, c'est pas facile à suivre. Enfin, sa manière de faire, la manière de capter la vidéo. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est bon, ça suffit. Hein. On a terminé notre cure d'épaule. Ça sert à rien d'aller plus loin. Hein. On va pas se prendre le chou, les copains. C'est texturé, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va y faire? Là, ça me paraît pas assez sombre. Alors, je vais apporter un peu de sombritude là-dedans. Avec un marron un peu plus marronasse. Qui est. Une espèce de marron comme ça, vous voyez. Voilà, un marron un peu marronasse. Très bon marron celui-là. Hein. Brown Leather. Un marron que j'aime bien parce qu'il est bien saturé, bien marron. J'en ai plus beaucoup, il va falloir que j'en rachète de celui-là. Puis il est un peu séché. Ouais, il est un peu en fin de vie celui-là, le marron. Il va falloir que je me rachète un peu de ce marron-là. Je regarde ton live comme ça, j'ai l'air occupé, du coup, je ne gère pas les couchers, enfin j'espère. Mais ouais, mais c'est malin ça! Tu le dis à un moment donné, quand ta femme passe devant, si tu veux, je parle d'autre chose, je parle, je sais pas moi, investissement, ou tu vois, quand ta femme passe devant, je fais un truc du genre, et pour prendre soin de votre bien-aimé, pensez, nanani, nanani, tu vois, genre, t'es en train de regarder une chaîne sur comment prendre soin de son épousée. Comme ça, tu peux pas te faire attaquer, tu vois. Elle peut pas te rentrer dans l'art en disant. Ouais, tu regardes tout le temps des conneries de live, The Studio, mes couilles, machin, occupe-toi des gosses, tout ça, tout ça.
Bah non, 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 c'est pas The Studio. C'est un mec qui dit comment on s'occupe de sa femme. Ça peut passer. Ça peut passer. C'est une femme, hein, pas tout. Dit-il alors qu'il a. Il essaye péniblement d'avoir un auditoire féminin. Si je leur tire dessus. Non, je plaisante, les femmes sont merveilleuses, elles sont indispensables à l'avenir de l'homme. Alors, là, je mets un peu de. Qu'est-ce que vous dites, les copains? Carmody, oh là là, vieux copain de collège, Carmody, il a vieilli, oh là là, j'ai vu les photos, ça fait peur. On lèche les pinceaux avec Callistos. Donc Callistos, c'est Carmody. Carmody, c'était le personnage que jouait Callistos quand on jouait à Cyberpunk, les gars. Cyberpunk, qui connaît Cyberpunk? JDR extraordinaire. De l'époque, l'époque de quand on était jeune, c'est 90, je pense. Bon, il y a eu d'autres éditions avant, hein, mais nous, je crois qu'on devait y jouer dans les années 90. Autant dire que je suis méga hypé par le jeu vidéo, et autant dire que j'ai acheté le kit d'initiation avec votre argent, bien évidemment. Le kit d'initiation Cyberpunk. Ouais. Avec l'argent des tipeurs. Ouais. Tout à fait d'accord, Chris, c'est un jeu solo. On a essayé à 3, c'était vraiment mou. À 2, mouais. Ouais, je pense aussi. C'est alors après, nous, on a fait un peu nawak. J'ai regardé les vidéos. Nous, alors, les mecs, ils commencent à galérer au chapitre de ce jeu. Ils commencent à galérer, enfin, galérer. C'est un bien grand mot, mais il commence un peu à se poser des questions, à réfléchir vers le chapitre 5-6, j'ai l'impression. Nous, au chapitre 2, on était déjà largués. Mais en même temps, quand tu vois la tronche des mecs avec qui je joue, tu pars pas gagnant, quoi. Pourtant, c'était roleplay, hein, parce que dans le jeu, ils disent c'est les tocards qui partent, parce que il reste plus qu'eux dans le village, donc c'est les tocards qui partent sauver le village. Donc je me suis dit, avec mes potes, ça le fait. C'est, voilà, c'est les tocards, c'est roleplay, tu vois. Ouais, bah, c'était trop roleplay. On n'a pas décollé du chapitre 2. Mais j'ai regardé, on est passé à côté de trucs parce que bon, on n'était pas très attentif. Parce qu'en fait, j'ai regardé une vidéo et j'ai fait ah oui, mais qu'on est bête. Voilà, bon, je vais pas spoiler, mais. Voilà. Non, moi je pense que le jeu est sympa. Moi je kiffe. J'ai recommencé à y jouer tout seul. Je vais essayer peut-être de forcer ma femme à y jouer aussi. Et sincèrement, c'est top. Franchement, c'est top. Tout seul, je pense que c'est génial. Il y a vraiment un côté dont vous êtes le héros. On a l'impression d'un roman dans lequel on rentre, on fait ses choix, on est beaucoup plus attentif. On n'est pas en mode blague avec les copains et tout, que j'adore. Hein. Mais du coup, quand tu es en mode blague avec les copains autour de la table, bah tu passes à côté un peu du truc, quoi. Faut être honnête. Alors que si t'es pas dans ce mode-là, que tu passes pas à côté. Et ouais, sincèrement, sincèrement, méchante ambiance. Ce Tainted Grail, très très bon tout seul. Très très bon. Peut-être le seul jeu que je vais faire tout seul ou avec mon épousée. Enfin, sauf si les potes ont envie de rempiler, hein, parce que sincèrement, je pense qu'il est bien, mais à 4, c'est peut-être un peu lourd, quand même. À 4. Du coup, on va se recentrer et mieux gérer l'exploration. Ouais, en fait, si tu te recentres, si t'es concentré, sincèrement, le jeu est top. Sincèrement, c'est pas pour reconvaincre d'y rejouer, hein, je vais pas forcer les potes à y rejouer, moi, c'est pas grave, j'y jouerai dans mon coin. Mais il est super classe, parce que j'ai un peu regardé des vidéos de mecs qui ont avancé. T'as du coup des vraies surprises scénaristiques, t'as des retournements de situation, des trucs, des mécaniques qui arrivent. Enfin, il y a franchement, c'est un super jeu. Je pense que c'est vraiment. Ils ont fait très fort sur la narration. Voilà, après, c'est sûr qu'il faut être dans l'ambiance, c'est comme tout. C'est comme regarder un film d'horreur l'après-midi avec des gâteaux secs et du lait en plein soleil. Bah, ça marche pas. Vous avez compris l'idée. Alors là, j'ai mis un peu de noir et de bleu. Il faut que j'explique un peu ce que je fasse quand même. Et je vais reprendre certains creux, vous voyez, ici. Voilà, là par exemple, là, ici, là, voilà. Je reprends certains creux en intensifiant tout simplement la sombritude de ces creux-là, ce qui va leur apporter un peu de profondeur et du coup me faire gagner encore en écart chromatique, hein, entre ma couleur de base et mon éclaircissement. Voilà, le but, c'est de créer en fait... Sur ces petites figurines, il faut créer du contraste. Créer du contraste, ça veut dire qu'il faut tout simplement sur des. Il faut tout simplement qu'il y ait un écart chromatique sur ces petites surfaces assez important. Vous voyez ? Alors, vous voyez que je bouffe régulièrement mon pinceau. Parce que je travaille un peu dans le frais et tout ça. Il faut qu'il y ait un écart chromatique important parce que c'est ça qui va être gage du contraste de votre figurine. C'est-à-dire qu'il faut que sur des petites surfaces, on ait du clair, du sombre. Et c'est ce qui permet effectivement d'attirer l'œil, de créer des contrastes forts. Et c'est ces contrastes forts... Ouais, je passe finalement du temps sur ce pantalon, vous voyez, alors que j'avais dit qu'on faisait ça en 2-2.
C'est ces contrastes forts, mais comme ça je vous montre quand même aussi quand on pousse un peu. C'est ces contrastes forts qui vont apporter de la lisibilité à votre figurine et qui font que ça a de la gueule, quoi. Vous voyez? Là, je remonte un peu plus clair ici, c'est quasi au blanc, vous voyez, mais vraiment sur le haut. Et en fait, tout ça, ça guide le regard. Ça guide le regard et ça permet de vraiment, créer des contrastes assez puissants. Et ces contrastes assez puissants, eh ben, ça va marcher à cette échelle. Parce qu'à cette échelle-là, si vous reproduisez les contrastes de la réalité, ça va être trop timide. Il faut taper plus fort. Il faut, comme dirait Lara Fabian, aller plus haut. C'est Lara Fabian qui dit ça? Je sais plus. Je crois. Hein. Je crois que c'est Lara Fabian qui nous dit ça. Moi, la philosophie de Lara Fabian, moi, je kiffe. Il y a des trucs qu'elle dit, je trouve vraiment profond. Dans le truc, ça se trouve. Elle a dit des trucs, je dis ouais, là, Lara, tu vois, t'as tapé dans le mille, Lara. Incompris, Lara Fabian. C'est un peu comme. C'est un peu comme Jean-Claude Van Damme. Incompris. Parce que Jean-Claude Van Damme, on s'est foutu de sa gueule. Beaucoup. Alors, déjà, c'est un acteur. Quand il est bien dirigé, il taquine. Hein. Je sais pas si vous avez vu JCVD, les copains. C'est un film de Jean-Claude Van Damme où Jean-Claude Van Damme joue son propre rôle. Eh ben, ouais. Petite leçon pour ceux qui s'intéressent un peu à la comédie, au jeu d'acteur, au jeu de comédien, tout ça, tout ça. Petite leçon. Il joue super bien. Il est très très bon. Il est très juste. Bien dirigé, Jean-Claude, ça taquine. Sous-exploité au cinéma. Aujourd'hui, voilà, on a beau se foutre de sa gueule, c'est quand il est bien dirigé, c'est un super acteur. Regardez JCVD, les copains. JCVD, c'est les lettres. Hein. JCVD, Jean-Claude Van Damme. Où il joue son propre rôle. C'est assez rigolo. Et surtout, vous vous dites, ah ouais, en fait, il joue bien ce mec. Au-delà de filer des high kicks et de faire des grands écarts, il envoie du pâté, Jean-Claude Van Damme, en matière d'acting. Oui, je parle d'acting, moi, vous savez, à l'américaine. Alors là, j'utilise mon marron un peu plus saturé pour mettre en valeur mes bandelettes de cuir, là, vous voyez? Voilà, apporter un peu d'éclaircissement dedans. Tac, tac. Voilà. Voilà. Ici, vous me dites si vous voyez pas, mais je pense que vous voyez bien normalement si je me suis bien émerdé avec cet angle de caméra. Hop. Vous ne devez pas entendre grand-chose de la musique là. Je remonte. Natacha Saint-Pierre, ouais, c'est ça, Tenting Grail, un jeu de figues d'exploration qui veut faire la passerelle avec le JDR. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas la meilleure facette du JDR, malheureusement. Ouais, mais si, il y a des. Si, franchement, t'es dur, Chris. T'es dur, Chris. Moi, j'ai un peu avancé de mon côté, je me le suis fait un peu solo, là. C'est autre chose. Franchement, solo, c'est un jeu qui envoie du pâté, grave. C'est vraiment, je sais pas, tu te cales avec ton thé, tu te fais ton Tenting Grail pépère. Franchement, c'est génial. C'est super génial. Et je pense que c'est comme ça qu'il savoure bien parce qu'il y a une vraie ambiance dans le jeu. Il y a plein de trucs qu'on est passé à côté en termes d'ambiance, je trouve. Je dis ça pour Christian avec qui on a joué avec les potes là. Bon, on a compris hein, les descriptions, Dark, machin et tout. Mais quand tu es attentif un peu, c'est-à-dire que tu fais pas que lire le truc et vite fait tu passes à autre chose. Quand tu es attentif à ce qui se dit, déjà il y a un paquet d'indices et c'est. C'est super réaliste, c'est très bien, c'est bien amené. Il y a des passerelles avec d'autres textes. Enfin, ouais. Non, franchement, c'est fort. Moi, c'est bien écrit. Mais bon. C'est mon avis. Tina Arena, espèce d'hérétique. Ah, Tina Arena, ouais, pareil. JCVD, le film est top. Voilà, Sphinx le confirme. Notre ami Sphinx, Kumite, Kumite. Je ne sais pas de quoi il parle. Comité, ah oui, le comité, oh putain, oui, c'est dans Bloodsport, oui, excuse-moi. Oh, voilà, j'ai raté la référence. Tu te couches comme Mylène, ouais. Miley ou Mylène, je sais plus. Bon, enfin, ouais, le comité est terrible. Bloodsport, oh, monstrueux ce film. Façon plaine ou plutôt forêt pour les socles des Sisters of the Thorn. Ce que tu veux, en fait, j'ai l'impression, Benjamin, que tu te poses beaucoup de questions sur façon ceci, façon. Fais comme toi, tu le ressens. Faut surtout pas, faut pas se paralyser avec ces choses-là. Il faut, il n'y a pas de bonne recette. C'est comment toi tu le ressens. Il faut, voilà, il n'y a pas de. Si toi c'est façon pleine qui te parle, tu fais façon pleine. Tu t'en fous absolument de savoir
qu'est-ce que les autres disent, qu'est-ce que les autres pensent là-dessus. Il faut vraiment s'écouter en peinture, hein. Parce que sinon, tu te paralyses et tu rentres dans des schémas de reproduction. C'est comme ce que je fais là, moi. C'est bien de regarder un peu ce que je fais, mais c'est pas nécessaire de reproduire ce que je fais moi à l'identique. C'est de comprendre plutôt comment se comporte la peinture, quelles sont les choses qui peuvent fonctionner, un peu choper les techniques, tout ça. Mais il faut garder sa signature. D'accord? Alors après, ça passe effectivement. L'apprentissage passe toujours par, à mon avis, hein, le fait de pomper quelque chose. J'aurais pas dû dire pomper, peut-être. Le fait d'aspirer. Ah, aspirer non plus, ça marche pas. Bon, vous avez compris, hein? Pas d'esprit, là. Le fait de repiquer des trucs, de reproduire, hein. On est dans le champ lexical un peu du fion quand même, de pomper, reproduire des choses, et pour voilà, faire, voilà. Mais après, il faut se les approprier et faire sa sauce interne. Donc il faut, trust your feelings, exactement, tu as raison, Christian. Trust your feeling, make a wish with your underground brain, what you think, what you do, man. What you think, what you do, man, you know that? It's impressive, and the guns for stick alive before, you know what? Je peux pas dire mieux. Just a feeling. Tu n'es pas un Tanaka. Ah oui, ça c'est ce qu'il lui dit, parce qu'en fait c'est Natsuko, le guerrier blanc. Bloodsport, Natsuko, le guerrier blanc, vous vous rappelez de ça? Natsuko, vous voyez comme ça. Qui s'est pris du sable dans les yeux, je le fais bien, il fait comme ça. Là, hey. On se fout de sa gueule, mais jeu d'acteur, parce que jouer le mec qui se prend du sable dans les yeux, qui est, hein, il le fait à fond quand même. Hein. On rigole, mais il le fait bien. Et après, il met la pâtée, forcément. C'est Natsuko, le guerrier blanc, quoi. Qu'est-ce qu'on va faire? On traîne, excusez-moi les copains. Là, j'ai un bleu de bleu-gris foncé. Moi, ça me plaît bien ce bleu-gris foncé, parce que rappelez-vous, je veux rester dans les tonalités de bleu. Par inadvertance, j'ai mis un bleu-gris dans ma palette, qui est ça. Abyssal Blue. C'est pas un bleu gris foncé, c'est oui, c'est un bleu gris foncé. Donc je vais me servir de ça, que je vais éclaircir un peu avec du blanc que j'ai là, et je vais traiter les métaux de mon marteau. Je vais traiter les métaux de mon marteau. Je vais traiter les métaux de mon marteau. Quelqu'un a essayé la nouvelle peinture AK Interactive 3ème génération? Oh putain, le nom de code de malade. Non, j'ai pas essayé, mais je serais curieux de savoir. Alors déjà, je ne savais pas qu'il y avait AK Interactive 3ème génération. J'ai jamais peint avec des AK Interactive, pour être clair. Donc, 3ème génération, évidemment, encore moins. Alors là, regardez, pose de lumière. Donc mon marteau, mon bonhomme, il est là. J'estime que la lumière, elle vient se poser à l'endroit où j'ai mis ma tâche, là. Donc quand je suis une pose de lumière logique, je vais tracer un ray de lumière. La lumière se pose toujours sur les surfaces métalliques dans le sens du volume que vous êtes en train de traiter. Ici on a un cylindre, donc ça va se poser à peu près là. Alors le faire tout à fait au milieu, c'est un peu cliché. C'est toujours bien de décaler un petit peu. La symétrie, c'est jamais très très bon, moi je trouve. C'est toujours plus intéressant de prendre un peu le truc à revers. Voilà. Donc là c'est intéressant de faire une pose de lumière, je ne sais pas si vous voyez là, où on décale un petit peu. Voilà. Après, une fois qu'on a fait, tiens, la lumière se pose là, 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 on va traiter maintenant ce qui accroche la lumière. Ce qui accroche la lumière, c'est bien sûr les arêtes. Donc toutes ces arêtes-là, je vais les repasser là, vous voyez. Grosso merdo, évidemment. Voilà, je reprends mes arêtes. Donc là, je le fais ici aussi. Voilà, je reprends mon arête. Là, je l'ai déjà fait. Voilà. Là, il y a une arête ici aussi. Hop, je reprends, là il y a une arête, je reprends un peu, là aussi, là il y a un petit rond là, hop, je le fais apparaître, là je reprends cette arête là, là ici, là ici, là ici, voilà, là on a repris un peu nos arêtes. On va faire un petit trait encore plus clair, ici, deuxième éclaircissement, cette fois-ci je vais aller sur une zone moins forte, d'accord? Donc, je fais ici, et là, je choisis un côté, voilà, sur lequel je vais apporter un peu de lumière. Voilà, là, ici, ça me va bien. Je vais baisser un peu les blancs, parce que comme je traite du blanc, ça fait une sursaturation qui fait que vous ne voyez pas le détail de l'éclairci de blanc. Donc, on va diminuer l'exposition sur ce que je suis en train de faire. C'est très scientifique ce que je dis, vous allez comprendre de suite quand je vais bouger le curseur, hein, pour se prendre la tête. Plutôt que de vous expliquer, les gars, je vais bouger mon curseur. Alors, je sais que c'est excitant, mais regardez.
Hop là, j'ai bougé mon curseur, oui. De suite, vous voyez mieux ce qui se passe. C'est un peu plus sombre, mais c'est pas grave, ça va être nécessaire pour vous montrer là. Ici, un petit blanc. Tac. Voilà. Donc là, je suis sur avec une couleur plus claire, vous voyez. Ici, ici. Voilà. Et je prends ici maintenant. Je travaille maintenant avec cette couleur plus claire là. Voilà, je crée. Voilà, un petit ray lumineux. C'est-à-dire que je vais appliquer ma couleur plus claire de manière plus étroite maintenant, c'est-à-dire sur moins de surface que ce que j'ai utilisé tout à l'heure. Voilà. Hop, hop, de manière à avoir l'effet lumineux. Maintenant, pour aller au bout de cet effet lumineux là, hein, de marteau qui brille un petit peu, il faut que j'aille au blanc pur, enfin au blanc pur. Au blanc pur ou on va dire... à l'ivoire, ça marche aussi, hein. Je suis pas obligé de taper sur du blanc pur. L'ivoire, c'est déjà une valeur assez élevée, hein. Voilà. Cette fois-ci, un peu les spots of light. C'est-à-dire que là, je vais être carrément sur un traitement encore plus petit. Voilà. Tac. Donc ici, on va en mettre un là. Un ici. Et un ici. Vous voyez ? Voilà, ça suffit. Voilà, notre effet métal, il est là, quoi. Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Si je veux, je peux, pour casser un peu la monotonie ici, reprendre mes arêtes. Et je peux apporter un peu de sombre sur une des parties. Parce que ce qui est important sur des volumes comme cela, voilà, et là, c'est trop plat. Là, j'ai du gris et du blanc, c'est trop plat. Il faut que sur tous mes volumes, j'ai un écart chromatique. Donc, je vais apporter un peu de noir dans le coin opposé au blanc, là, vous voyez. Voilà, je mets un petit peu de noir ici, tac, je préserve mes arêtes, hein. Mes arêtes sont toujours, voilà, je le pose, vous voyez, des fois avec le pinceau aussi, je pose la couleur, hein. C'est-à-dire que je tapote, voilà, dans le frais, si je vois que j'étais un peu trop loin, bah, dans le frais, pas grave, c'est en train de sécher, ça se travaille, ça, voilà, je repose un peu de gris moyen. Et je peux même, avec pendant que ça sèche ici, rattraper un peu mon gris clair. Voilà, mélanger un peu tout ça dans le frais, vous voyez. Voilà. Et là, au niveau écart chromatique, ça fonctionne. Vous voyez, mon marteau, il fonctionne très bien. On voit bien que c'est un marteau en métal. Hein ? Premier qui me dit non, je lui casse la bouche, mais évidemment. On voit bien que c'est un marteau en métal. D'accord avec moi, oui ou non ? Bordel de Dieu. Alors là... Et ces petits passages là, ils sont un peu planqués, mais il faut pas les oublier non plus. Hein. Donc là, tac. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est un peu, voilà, pour montrer l'usure du marteau, on peut faire un peu des petits tapotages là. Voilà, genre le marteau, il a pris un peu des pets. C'est un vieux marteau, on imagine bien. Hein. Notre ami Béor, il se balade pas avec un marteau qu'il a acheté à la quincaillerie le matin, le mec. Hein. Ah, c'est un forgeron, il en a tapé du caillou, du métal plutôt, ce marteau. Donc on fait des petits traits comme ça, des petits weathering quoi. Voilà. Voilà, ça suffit, hein. Pas besoin d'aller plus loin, pas passer la vidéra sur un marteau, bordel. Alors, le AK, je vais lire, reprendre la suite aux études. C'est grâce à JCVD que Tsui Hark et John Woo ont pu poser le pied aux US. Ah d'accord, je ne savais pas. Très très, merci Callistos. Callistos pour ses points culture cinématographique. Alors que Chuck, lui, il pose le pied où il veut. C'est vrai, Chuck Norris, imbattable. Le AK s'adresse en premier au maquettiste, mais elle ne serait pas inintéressante pour la figue. Un peu comme tout, il nous propose toutes sortes de gammes, pigments et autres choses. Ouais, alors après, attention à ne pas tomber dans la fièvre acheteuse, c'est-à-dire qu'après, ils vous vendent le truc pour faire la rouille, le truc pour faire la rouille un peu sèche, le truc pour faire la rouille un peu sèche, mais pas tout à fait sèche, un truc pour faire la rouille sèche qui a 5 ans, mais qui est un peu noirci, le truc pour faire la rouille... ils en sortaient plus, vous avez 40 produits pour faire la rouille. Pas tomber non plus là-dedans, mais il y a quelques références à mon avis qui sont toujours utiles. Roundhouse Kick, Christian, ça va être une référence à JCVD. Et c'est souvent dans la gueule de Little John. Je n'ai pas encore franchi le pas du NMM. Ah, tu vois, c'est pas compliqué, hein. Regarde, je t'en ai fait un sur le marteau, tu vois. Franchement, c'est pas très compliqué. Ça se fait assez rapido. Sur des petits trucs comme ça. Le rinçage du pinceau dans la bouche, c'est pour gagner du temps ou alors la salive a un intérêt? Les deux. Le rinçage du pinceau dans la bouche, c'est effectivement pour refaire ma pointe régulièrement, comme ça. Voilà. Et l'intérêt, c'est que ta salive est un excellent médium.
L'eau pure a tendance à détacher les pigments, à les faire se casser. Voilà, alors que ta salive est chargée en médium, enfin un truc un peu salive quoi, qui font que ça ne casse pas le pigment et du coup ça permet de garder ta peinture fluide, c'est-à-dire elle est diluée, elle est un peu fluide, mais les pigments ne se cassent pas, c'est-à-dire que tu te retrouves pas avec des auréoles. Voilà, c'est l'intérêt un peu de la salive. Bon, c'était pas. C'est vraiment infinitésimal, hein. C'est-à-dire que tu fais ce que je fais dans la bouche, tu le fais avec de l'eau, tu peux y arriver très bien. Il y a des peintres d'exception qui ne mettent pas le pinceau dans la bouche, hein, faut le savoir. Hein. C'est un tic que moi j'ai pris, mais c'est pas nécessaire. Après, vous pouvez utiliser du médium classique. Mais c'est vrai que refaire sa pointe, moi j'ai pour habitude, c'est presque devenu un tic, de refaire ma pointe comme ça dans la bouche. Bah, c'est lié à mon passé aussi. Hein. Pas toujours fait de la peinture, pas toujours été facile. Bon, voilà, alors qu'est-ce qu'on fait là? Ça on l'a fait, allez le marteau là, vous voyez, il y a les petits. On va texturer un peu notre marteau. Alors après, vu la petitesse du machin, on va pas s'amuser à aller chercher d'autres pots de peinture pour texturer ce marteau, bordel de fion. On va utiliser ce qu'on a là. On va juste faire un peu des petits traits là pour texturer. Tac tac, voilà. Tac, tac. Voilà, ça ira très bien comme ça. Pouf, voilà, super, ça suffit. On n'ira pas plus loin. Là, ça, on peut le texturer un petit peu. Ouais. Ce serait pas mal de texturer un petit peu quand même. Donc, tac, 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 tac. Là, c'est du poiluche. Alors après, c'est bien... ce qui est intéressant, c'est d'avoir un mouvement de pinceau qui correspond à la texture que vous êtes en train de travailler. Je m'explique. Là, vous voyez, j'ai des espèces de trucs qui sont qui dépassent du pantalon, qui sont mi-fourrure, mi... je vais revenir sur du plus clair, là, parce que je suis sorti de mon pinceau maintenant. Donc on va remettre une expo un peu plus claire. Je pense que ce sera un peu plus lisible pour vous. Pac. Voilà. Peut-être plus agréable comme ça. Ok. Là, par exemple, vous voyez, j'ai ces trucs-là. C'est un peu de la fourrure du tissu, je sais pas quoi qui dépasse. C'est pas très. En tout cas, c'est un matériau un peu usé, avec une texture qui n'est pas. Voilà, qui est texturée, qui a du vécu, qui est vieilli. Voilà. Donc avec mon pinceau, je peux travailler un peu comme ça, ouais. Tac, 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 tac. Voilà, pour suggérer ça. C'est pas inintéressant. Voilà. Pof, pof. Tac, 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 tac. Vous voyez ? Bon, c'est une idée comme ça, hein. Pas obligé de suivre ce que je dis à la virgule. Mais voilà, toujours intéressant de se dire quelle texture je travaille et est-ce que je peux, avec mon mouvement de pinceau, essayer de reproduire un peu cette texture-là. Et c'est souvent une bonne idée. Vous voyez, pour par exemple, quand on veut créer un vêtement moucheté, c'est pas idiot, enfin, une texture par exemple d'un vêtement un peu laineux, bah, de tapoter comme ça, tac, 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 pour donner un peu l'aspect de la laine. Voilà. Là, ce que je fais, c'est que je mets des petites pointes un peu plus claires sur le dessus du volume, hein, pour suggérer l'arrondi, vous voyez, parce que là, en fait, ici, ça prend la lumière en direct, parce que ce qui sort de la botte est arrondi sur la partie supérieure, donc il prend la lumière sur la partie haute. Dans la vraie vie, on ne verrait pas cet écart chromatique que je suis en train de faire, là, c'est-à-dire de poser carrément, quasiment une goutte de blanc là, sur le dessus du volume. Mais on n'est pas dans la vraie vie, on est dans de la peinture sur figurine où notre bonhomme est tellement petit que si on n'exagère pas ces contrastes-là, on ne les voit pas. Vous avez compris. Donc, le but, c'est, en peinture sur figurine, une des clés de la réussite, c'est l'exagération. Un peu comme au pieu. Alors, on est bien, on est pas mal, on est pas mal. Voilà. Alors, couleur de pantalon, de tissu qui ressort un peu proche du pantalon. On va peut-être faire un lining maintenant. Parce que vous voyez, ça se confond un peu ces deux textures-là. On va faire un petit lining. C'est-à-dire qu'on va apporter un peu d'ombre là, ici. Pour bien marquer la différence entre ces deux volumes. Donc, on apporte un peu d'ombre. Vous voyez, c'est de la petite recette. Hein. La peinture, c'est de la bricole aussi. Hein. Dire, tiens, ces deux volumes se confondent. Eh ben, je fais un petit lining. Les deux là, voilà, je m'apporte de l'obscurité. Voilà, donc à la fois je peins pour respecter une certaine logique de pose, de couleur, etc. Et à la fois aussi j'utilise des astuces un peu, c'est-à-dire des petites recettes où je vais poser des coups de pinceau qui sont pas là forcément pour représenter la réalité du nombre,
ou d'un volume qui serait, qui existerait particulièrement, mais juste pour faire une séparation. Exemple, là, ce que je viens de faire, vous voyez, là, en faisant ces petits traits noirs, c'est pas grand-chose, mais je permets à l'œil d'identifier. Celui qui regarde la figurine, il se dit, bon, ben voilà, là, je passe bien d'un tissu à l'autre, hein, d'une matière à une autre. Alors que si j'avais pas fait ce lining noir, les couleurs étaient trop proches, et du coup, on n'avait pas cette séparation assez franche, là, qui m'est nécessaire, parce que les couleurs que j'ai utilisé pour traiter ces deux matériaux différents sont très proches. Donc je me dois de renforcer avec du noir le bas de ce pantalon-là, tout simplement pour contraster avec le blanc, les couleurs claires hein, que j'ai apportées sur le revers de ma botte. Voilà. Bon, ben Béor, et on va faire le socle viteuf. Hein. Socle viteuf, comment on fait? On va utiliser du vert foncé et après on va apporter... On va se mettre un peu de vert foncé dans la palette. Voilà. On a un peu de marron, on a un peu de vert foncé. On a un autre vert là qui est un peu moins saturé. Il sera peut-être un peu plus juste celui-là. Ouais, peut-être un peu plus juste celui-là. Le but, c'est d'essayer de coller aussi aux cartes de Tainting Grail. Je vais aller voir un peu les cartes de Tainting Grail. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Je reviens les copains. Vous voyez, moi mes figurines elles vont être posées sur des cartes de jeu un peu comme ça. Vous voyez. Donc, alors vous voyez à l'envers parce que j'ai tourné ma caméra. C'est drôle. Comme ça vous pouvez pas lire. Non, c'est pas fait exprès, c'est juste une astuce de peinture. Là c'est premier fort, hein. C'est un spoil, ne lisez pas. C'est ces couleurs-là qui m'intéressent. Je vais essayer d'avoir un socle ouais, qui se rapproche un peu de ça parce que mes bonhommes sont posés sur ce genre de texture. Donc c'est un vert foncé, pas trop saturé. Ça va être un truc qui ressemble un peu à ça. Hein, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites, les copains? Le rinçage de pinceau dans la bouche, ok. C'est juste le pur plaisir, en fait. Pas loin, pas loin. Ok, merci. Si je crache dans un pot, ça passe. Oui, tu peux cracher dans un pot. Tout à fait. Ça passe. Oui, sans problème. Du coup, tu préconises de diluer la peinture à l'eau ou au médium, ou c'est suivant ce qu'on recherche. Peinture à l'eau dans la plupart des cas, dilution au médium, c'est si tu veux faire des glacis, ça peut être très intéressant. Parce que quand on rajoute de l'eau dans de la peinture, on gagne effectivement en fluidité. Mais si on rajoute un peu trop d'eau, on va casser les pigments. Et casser les pigments, ça veut tout simplement dire que bah, tout simplement tes pigments sont séparés, ils sont plus tenus les uns avec les autres. Et c'est là où tu peux te retrouver avec des auréoles. C'est-à-dire le fameux je passe un coup de pinceau et puis à l'endroit où je suis passé, j'ai pas de peinture. Par contre, sur les bords de ma goutte, j'ai toute ma peinture qui s'est accumulée. Bah, là, c'est que tes pigments sont cassés. Pour éviter ça, tu peux diluer avec du médium. Ça va te permettre d'avoir une peinture fluide parce que tu la dilues avec un liquide, donc elle gagne en fluidité. Et pour autant, les pigments ne sont pas cassés. Donc là, tu vas pouvoir effectivement avoir une peinture fluide que tu pourras travailler en glacis et en évitant les auréoles. Petit inconvénient, alors il est très léger et il faut vraiment charger, c'est que ça peut avoir un aspect légèrement satiné à la fin du séchage. Mais c'est tellement léger et c'est vraiment après plusieurs passages que moi, sincèrement, ça ne me pose pas de soucis et je ne le rencontre pas ce problème. Faut diluer à l'eau, le médium intervient pour certains besoins comme un pigment qui tient mal la dilution. Voilà, c'est exactement ça, Christian. Parce qu'après, il y a les peintures, vous les diluez à l'eau, puis vous vous rendez compte que votre couleur est diluée, mais pour autant, elle n'est pas cassée. C'est-à-dire, c'est une belle intensité, une belle uniformité. Bon, bah là, ça veut dire que vos pigments sont liés, c'est bon. Hein. Pas besoin de se rajouter du médium. Hein. Voilà, sinon, pour mieux répandre une peinture visqueuse ou fluide comme un shade ou de la contraste, exactement. Merci, Chris. My pleasure, ouais, Chris, on va se démerder pour qu'il soit le modo officiel de nos lives, hein, évidemment. Salut les gentlemen and women painter, bienvenue SimSteel, et puis surtout merci de dire de saluer les women parce qu'on en a des women, notamment Elisabeth. Salut SimSteel, les auréoles c'est si on n'utilise pas Narta. Voilà, là on renoue avec la base, voilà, là je retrouve ma petite communauté. Là, je me sens en terrain conquis. On est bon. Allez, on fait ce petit socle là parce qu'il s'agirait de pas traîner les gars. On va pas passer la vidéo sur ce petit bonhomme. Mais on le finit parce que après le but c'est de le poster sur les internets. Et puis ça me permet de montrer mon travail, de gagner un peu en notoriété, évidemment. Et qui dit notoriété dit après derrière ben, abonnement à la chaîne, cours, commande de peinture. Et donc sous. C'est toujours pareil. Hein. C'est le nerf de la guerre. Bon, en plus, ça me fait plaisir. Hein. Je fais pas les lives avec vous que pour gagner du pognon, évidemment. De toute façon, on n'en gagne pas hein, du pognon avec YouTube, hein, soyons clairs. Hein. Faut faire tellement de vues que
Par contre, c'est vrai que moi j'aime ça, et puis surtout ça me donne de la lisibilité en fait, hein. Ça permet de me faire connaître quoi. Un petit peu, hein. Un petit peu, parce que je suis loin d'être hyper connu dans le. Enfin, je dis ça, enfin, je dis pas que je suis hyper connu, mais je me rends compte quand même que quand je vais dans les salons, par contre, c'est finalement, je suis pas que je suis assez connu, mais je suis plus connu que ce que je pense que je suis connu, je pense, sans trop m'en rendre compte. Tant mieux finalement, hein. Après, attention, hein, je suis encore loin des cadors de la division, hein. Français, hein. Je me compare pas avec les Anglais ils sont dans une autre dimension encore, hein. Les Américains et les Anglais. Bon, simplement parce qu'ils ont des prospects qui sont beaucoup plus. Oui, Samir, j'oublie pas. J'ai un copain qui m'envoie un message, il faut que j'envoie faut que j'envoie des trucs. Donc j'oublie pas. Mais je dis ça, mais en même temps, il n'est pas sur le live, je pense. Ça ne sert à rien ce que je dis. Mon caillou, j'ai mon petit bleu gris là qui traîne. Eh ben écoute, je vais baser mon caillou avec ce bleu gris foncé là. Ça me fera une très bonne base. Voilà. Là, on est pas mal. On a nos cailloux basés. On a. Donc là, je dilue pas, hein, sur de la base, surtout sur des volumes comme ceux-là. On s'en tape un peu le coquillard de diluer, hein, les copains. Là, c'est du volume texturé à bloc. Et puis, c'est une couche de base. Donc, pas besoin de diluer. Au contraire, là, je veux marquer ma couleur, aller vite. Pas trop perdre de temps sur un truc comme ça. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et il y a notre barbouze qu'on n'a pas fait là. Et puis j'ai oublié aussi, il a ses petits nœuds de barbe là. C'est quoi ces petits nœuds de barbe? C'est quelle couleur? Oh, faut qu'on fasse ça. Zoz, tu es dans quelle région? Je suis dans le Var. Je reviens les copains. Je suis parti regarder sur son illustration. Quoi est-ce qu'il a? Évidemment en bleu. Bah oui, quel imbécile. Je suis con. Il est dans les tonalités de bleu le bonhomme. Donc évidemment, ça va être bleu ces petits anneaux là. Allez, je me mets un bleu un peu plus pétant là pour faire ses petits anneaux de barbe et aussi pour faire sa chevelure de sa chevelure. Alors là les gars, poil de cul. On va prendre un poil de cul parce que c'est tout petit ce qu'on va bosser, c'est les cheveux. Alors, poil de cul, bah, je vais garder mon gros pinceau quand même. Parce que finalement, mon gros pinceau, il marche bien. Vous voyez bien là? Ouais. Mon gros pinceau, il marche bien. Donc, je prends du noir que j'ai dilué avec du bleu. Comme ceci. Voilà, dès que je peux, je vous fais un pinceau, une captation palette, parce que je pense que c'est important pour que vous puissiez voir ce qu'on fait. Et là, je vais éclaircir un peu mes poils de barbouze. Donc je suis quasi sur du bleu, hein. C'est voilà, tac tac. Ouais, c'est quasi du bleu. C'est du gris bleu quoi. Voilà. Hop hop, voilà. Tac tac. Voilà. Voilà. C'est fait. Stop au trafic des Caraïbes. Escalante, opération d'Anaï. Youhou. Les cheveux, pareil. J'aurais dû faire ça avant. Le marteau. Donc, cheveux, pareil. Bim, bam, boum. Voilà. Eh oui, c'est important. Sinon, si j'éclaircis pas cette partie-là, ça ne fonctionne pas non plus. Donc là. Hop. 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 Voilà. Ici et sur le derrière. Alors juste sur les volumes, vous voyez, je prends les volumes que j'éclaircis. C'est tout. Voilà. Je vais apporter encore un peu plus de lumière sur les parties les plus hautes des volumes que j'éclaircis. Voilà, là ici. Là, ici, là, ici, là, ici, là, ici. Voilà, après, hop, là, ça disparaît, là, ça disparaît, là, ça disparaît. Donc là, le volume, quand je dis ça disparaît, c'est qu'il repart dans l'obscurité, ce volume-là. Donc là, après, vous voyez, je vais un peu le faire fondre comme ça avec un petit glacis de bleu léger. Voilà, pour rester dans les tonalités de bleu de ma figurine. Ouais, je le fais un peu là, vous voyez, petite tonalité de bleu. Petite tonalité de bleu légère, là aussi, là sur le côté un petit peu.
Voilà, c'est le petit glacis très léger de bleu, je sais pas si vous voyez que je fais. Pas si ça se voit bien à la caméra. Voilà. Allez, petite pointe de lumière. On va aller avec quelque chose d'un peu plus clair. Et là, on va taper ce qu'on appelle des spots of light. C'est des points de lumière. C'est pour finir l'éclaircissement. Donc c'est vraiment des. Voilà, des petits points comme ça. Voilà, et pas besoin d'aller encore. Là, j'ai été peut-être encore un peu trop. Tac, tac, tac. Faut que je reprenne du noir un petit peu là, pour bien distinguer mes cheveux. Voilà. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Dit-il en continuant. Voilà. Ouais. Ouais. Vous voyez, j'ai un gros pinceau et pour autant, la pointe, elle est fine, hein. Donc quand on vous dit que ce qui compte, hein, pas la taille, c'est la pointe. N'est-ce pas, messieurs? Voilà. Bon, bah, c'est bon là. Voilà. Maintenant, mes petits nœuds de barbe là, enfin mes petites attaches de barbe là, espèce de petits anneaux là, ils sont bleus sur le truc, donc on va les faire bleus. Voilà, j'en ai un bleu ici. Un bleu là. J'en ai un sur l'arrière. Ici, qui est un peu plus costaud. Voilà, pourquoi bleu, je ne sais pas. Normalement, dans la vraie vie, je pense que ce serait plutôt en métal, mais bon, écoutez, on va respecter un peu l'artwork. Il nous dit bleu. On fait bleu. Voilà, là c'est fait. Là, on va éclaircir un peu ça avec du blanc. Voilà, et là je vais faire donc un petit trait là. Donc là c'est pour marquer. Voilà. Hop. Voilà, bah c'est fait. Là, ça va être pareil. Voilà. Bon, bah c'est bon. Terminado pour notre ami Béor. On n'est plus qu'au stade du socle là maintenant. Je vais faire la mise au point pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Ça m'a l'air un petit peu floutasse là. Donc on va se refaire une mise au point. Et on va pas tarder à attaquer. On va pas tarder à attaquer l'autre, la gonzesse là. Hein, allez. Allez les bleus. Allez les bleus. Allez. Comment je fais pour zoomer mon truc là? Je sais plus. Caméra principale. Pouf. Voilà. Configurer la vidéo. Toi, tu te casses. Voilà. Je te veux pas. Bim. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. C'est toi que je veux. Contrôle caméra. Zoom, je suis au point. Mise au point. On va un peu se rapprocher. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. Et on va faire une bonne mise au point. Voilà, là normalement on est bon. Ok. Voilà. Ça a eu le temps de sécher mon petit socle ou pas entre-temps? Est-ce que ça a eu le temps de sécher? Bon, il est pas mal ce béor là. Hein? Bon, on aurait pu aller plus loin sur plein de trucs. Hein. On peut toujours aller plus loin, mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter, les copains. Là, vous voyez, il y a plein de petits outils. Je ne sais pas trop ce que c'est. Pas grave, quand on sait pas ce que c'est, on peint. Vous voyez, c'est ça la technique. Quand vous savez pas ce que vous peignez, c'est tout. On verra bien ce qui sort de tout ça. Donc là, il y a un petit relief, bah, je le peins. Voilà. Ah, c'est bon, c'est fait. Voilà. Bon, il y en a un peu là aussi, vous voyez, un truc là, une espèce de rond, là, un petit point là et un rond. Bon, bah, je sais pas ce que c'est, bah, je le peins. Pas compliqué la peinture, hein. Tu sais pas ce que c'est, tu peins. Mais c'est quoi ça? Tu sais pas ce que c'est? Bah tu peins. Allez, là c'est bon. Hey, technique de brossage. Hein. On va pas s'emmerder pour le socle. Hein. Quand même. On va y arriver ou quoi? Alors l'herbe sur la carte, ça tire un peu au jaune quand même ou au marron. Donc on va l'éclaircir avec un beige. Voilà. On va l'éclaircir avec un beige parce que je vois bien que c'est éclairci avec un beige parce que j'ai l'œil. J'ai l'œil du tigre, moi. Depuis le temps, je suis exercé, les copains. Donc voilà, ça c'est éclairci comme ça. Donc on va éclaircir comme ça. Donc brossage. Voilà, tac 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 tac. Là aussi, brossage, tac tac tac. Là aussi, voilà. On brosse. Voilà. On va encore éclaircir davantage. Voilà. Apporter même un peu de tonalité marron par endroit, donc je brosse et en même temps j'apporte un peu de marronasse là,
Vous voyez, sur la base de mes cailloux là. Voilà, là aussi. Alors c'est bien. Alors pourquoi j'éclaircis avec un peu de marron? Parce que du coup, ça me permet de faire évoluer mon marron, mon vert sur un vert un peu marronnasse, ce qui est toujours plus intéressant que d'être sur une couleur unique. C'est-à-dire une couleur monochrome, quoi, un vert vert, quoi. Bon, un vert vert, ok, on a compris, c'est vert. À un moment donné, c'est un peu ennuyeux. Donc c'est toujours pas mal que voilà, d'apporter un peu d'éclaircie avec. Voyez, avec un peu des couleurs. Voilà, là j'éclaircis quasiment avec un beige, mon vert. Vous voyez, pas avec du blanc. L'erreur, ce serait de rajouter du blanc. D'aller que au blanc. Et tout de suite au blanc. Toujours un peu plus intéressant, voilà, de faire ça. De monter un peu ici. Là, ici avec du blanc, voilà, ça apporte une richesse chromatique qui est quand même un peu plus intéressante. Voilà, là, vous voyez, ça fait un beau vert clair. Voilà. Donc j'effleure un peu, voilà. Voilà. Allez, hop, ça c'est vu. Mes cailloux, bah, mes cailloux là, je vais les éclaircir un peu avec. Avec l'espèce de gris clair que j'ai sur ma palette qui traîne quelque part, vous voyez. On prend ce qu'on a sur notre palette, hein, on va pas s'embêter la vie. Hein. C'est-à-dire, j'ai une couleur claire qui traîne. Ben, quelle que soit cette couleur-là, elle a été utilisée sur mon bonhomme. Je la rajoute à mon gris de base que j'ai utilisé pour faire mes cailloux. Vous voyez, prends pas plus la tête que ça. Et ça va me permettre de. Ça va me permettre de faire mes cailloux. Voilà. Là, pour distinguer bien les arêtes de mes cailloux, je vais prendre un petit shade. On va prendre un petit Agraxeur Shade. Vous voyez, ça va ajouter encore un peu de couleur. Donc Agraxeur Shade là, voilà, sur mes cailloux là. Tac tac tac. J'utilise un peu là aussi là, sur ici ici ici. Voilà, je vais un peu le diluer, vous voyez, pour le passer à certains endroits ici pour gagner un peu en texture parce que j'ai des creux donc c'est bien d'aller les chercher. J'ai du Belgian Green là, c'est pas mal ça aussi hein, pour ombrer un peu mon vert. Voilà, qui est un vert un peu puissant là, qui va apporter un peu de contraste vert fort. Voilà, ici c'est pas mal. Et j'ai un autre vert là. Voilà, on fait des jus hein, c'est un sol, le sol il a pas besoin, il faut jouer sur la nature. La nature n'a pas de couleur uniforme. Hein. La nature, c'est que des variations de tonalité. Voilà. Donc, si on veut peindre la nature, il faut avoir une palette chromatique assez riche. Parce que dans la nature, c'est comme ça. Dans la nature, le marron pur, ça n'existe pas. Voilà, c'est du marron teinté de vert, de gris, de violet, de ce que vous voulez. Hein. Si vous amusez à décortiquer les véritables couleurs que vous avez devant vos yeux dans la nature, vous remarquerez que c'est toujours des couleurs très complexes et qui évoluent dans la tonalité. Hein. L'automne, il y a du orange, du rouge, du vert, du brun, du voilà. Voilà. C'est pour ça que quand on peint la nature, quand on veut peindre quelque chose de naturel, c'est toujours intéressant que d'aller vraiment chercher dans plein de couleurs pour suggérer justement cette couleur naturelle-là. Alors qu'au contraire, tout ce qui est artificiel, créé de la main de l'homme, va avoir une couleur unie. Vous voyez, votre aspirateur, la coque de l'aspirateur, bon bah quand elle est bleue unie, elle n'est pas bleue avec des tonalités de machin. Donc quand vous peignez des choses, pensez à ça. Ça vous permettra de différencier déjà rien qu'avec le traitement de la couleur, vos matériaux naturels, des matériaux produits de la main de l'homme. Vous avez compris ce que j'ai dit ou pas? Allez, je fais sécher. Attendez, je lis un petit peu. Énorme Chris Modo attaché commercial, exactement. Respecte mon perso, toi. Voilà. Oh, c'est ce que. Ça se frite dans le live. J'aime bien un peu du sang. Je veux du sang, moi. Pensez à sa fille qui n'aura rien à Noël si les vidéos ne marchent pas. Eh oui. Ma petite Romain de 4 ans. Hein, faut. Inscrivez-vous sur le Tipeee, hein, les copains. Parce que sans ça, la minote pour Noël. C'est même pas si. Ça me fait trop mal, ouais, je veux pas en parler. Moi, je like à la fin au cas où ça dérape. Quel enfoiré ce Christophe. Je te reconnais bien là. Chris policier des lives. Voilà, c'est ça, Chris. D'ailleurs, on va lui filer le matos pour. Petite matraque, casquette et taser. Le minimum syndical.
dans les affranchis, ah, tout à fait. Et des économies. J'ai compris que tu diluais ton shade. Si oui, avec quoi s'il te plaît? Avec de l'eau. Prends pas la tête. Avec de l'eau, il y a déjà du médium dedans. Voilà, je m'en fous de casser les pigments. Là, c'est juste que ça aille dans les creux. Ça peut pas trop casser les pigments dans le sens où mes pigments, de toute façon, ils vont se regrouper dans les creux. Pas de gros risque. Et puis, je l'ai pas dilué. Donc, voilà. J'ai compris que tu diluais ton shade. Ouais, que dalle. Oui, ou même pas de l'eau. Là, je l'ai mis direct. Ouais. Calistos a raison. J'ai mis mon shade direct. Allez, je fais un petit coup de sèche-cheveux qui n'est pas branché. Alors, voilà, on est bon là. Hey, je vous raconte un truc. Faut prendre de la distance, hein, attention. Maintenant, je rajoute dans mon mélange. Je vais faire un petit brossage à l'aide d'une couleur un petit peu plus claire que j'ai sur ma palette. Et nous allons procéder à un nouveau petit éclaircissement. Très léger, vous en conviendrez. Nous effleurons légèrement le socle de notre bonhomme avec cette couleur plus claire. Plutôt vers l'extérieur, afin, si vous voulez, de donner l'illusion d'un ombrage à l'intérieur du socle, qui serait l'ombre projetée par notre personnage. Voilà, petit effet graphique assez intéressant, que d'éclaircir vers l'extérieur comme nous le faisons là. Oui, oui, comme ça. Ah, c'est intéressant ça. Ça, c'est intéressant. Voilà. Voilà. Notre caillou maintenant. On va l'éclaircir aussi, notre caillou. Allez, j'apporte un petit peu de blancasse. Allez, petit brossage léger. Tac, 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 tac. Petit tapotage, petit brossage. Petit tapotage, petit brossage. Vous avez compris? Petit tapotage, petit brossage. Oui, c'est ça. Le mec, il a complètement craqué. C'est la nervosité, ça. Donc ça, c'est bon. Maintenant, c'est assez érotique, la peinture. Mais carrément, mec, c'est super érotique, la peinture. Tu rigoles. Ça et manger une banane, il n'y a rien de plus érotique. Et j'ai compris que... Ah ouais, non, le shade, le médium, c'est vraiment si tu le passes sur une surface lisse. Tout à fait, Christian. Mais Christian est un grand connaisseur. C'est étonnant que tu peignes aussi mal avec tout ce savoir technique, Christian. C'est pas normal. Je blague. Il peint bien, Christian. Il a fait des... On a joué full paint à Star Wars, les mecs. Asso. Grâce à Christian. Il a tout peint. Il pourra mettre des photos sur Discord, d'ailleurs. Bon, après, il prend des photos de merde. C'est-à-dire qu'en vrai, ses figurines sont plus jolies que ce que ça donne en photo. C'est un peu le problème. Mais... Donc on a joué full paint grâce à notre ami Chris. Voilà, là j'apporte vraiment les dernières touches d'éclaircie, vous voyez, sur mes cailloux. Tac, 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 tac. Voilà, pas partout, hein. Voilà, là c'est le dernier éclairci. Donc je mets des spot of light, comme on dit dans le milieu. Spot of light, c'est des points de lumière. J'en mets pas trop non plus parce que le but c'est que ça... C'est pas que ça prenne l'ascendant non plus, hein. Le sujet principal c'est notre bonhomme. Et maintenant... On va se mettre. Allez, et on se termine avec un petit pigment. On se fait ça, les gars. Petit pigment. Allez, et petit pigment, vous l'avez bien mérité. Alors, je vais utiliser du pigment. Je vais vous montrer un peu comment qu'on fait dans la vie.
On met ça, parce que le pigment c'est dégueulasse. Voilà, c'est cramé, donc je vais vous décramer ça de suite. Pour décramer ça, non, toi tu t'en vas. C'est pas ça que je veux. Configurer la vidéo. Toi tu t'en vas. Par contre, toi tu en restes là, par devant moi. Je vais décramer ça tout de suite. Calmez-vous, je sais, ça fait mal aux yeux. Je sais, j'ai calmez-vous. Voilà, je décrame le truc. Hein, c'est bon, ça va. Calmez-vous. C'est décramé là. Voilà. Donc là, j'ai décramé le truc. On va utiliser du pigment. Moi, je vais utiliser celui-là. Celui-là, je le trouve pas mal. C'est du pigment dark au rocher. Ça va m'apporter un peu de marronasse. Peut-être un marronasse un peu trop orangé. On va prendre celui-là. Un peu moins marronasse orangé. Voilà, à partir là-dessus. C'est un peu moins violent. C'est un vieux rouille. Alors, vous voyez, marqué vieux rouille. Les mecs, ils vont se dire, mais c'est pour faire de la rouille. Mais que nenni, mec, tu fais ce que tu veux avec. Évidemment. Allez, bord de socle noir. Marston sort de ce corps, carrément. J'adorais ce jeu. Vous vous souvenez, John Marston. Cowboy iconique de la musique western, de la poussière rouge. C'est cool, mais carrément, c'est cool. J'adore le western. Alors, bord de socle noir pour terminer. On va se faire un petit bord de socle noir un peu classieux. Alors, c'est important de faire les bords de socle. C'est même capital. Beaucoup négligent le bord de socle. Vous pouvez faire le plus beau travail du monde. Si vous ne faites pas un bord de socle pour terminer tout ça, ça a toujours l'air un peu crado, plus ou moins. Donc, pas du fat black. Non, je veux pas du fat black. Je veux du black un peu brillant. Moi, j'aime bien quand le noir, il brille, vous voyez.
Hop, pas de ban. Hein. J'ai parlé de couleur acrylique. Calmez-vous, monsieur YouTube. De toute façon, si YouTube me banne, je lâche Christian. Christian Neumayer. 120 kilos de muscles. L'ours de Sibérie. Le démembreur. L'homme capable d'arrêter un missile Titan 2 rien qu'avec une main. L'homme. J'ai ma peinture qui est bouchée, les gars. Donc je vais la déboucher. Technique de débouchage. Avec une petite. Allez, vous mettez ça dans le trou comme ça. Hop, voilà. Avec un petit. Comment ça s'appelle? Un petit trombone. Bien bouché, mon machin. J'espère qu'il n'est pas en train de sécher, lui aussi. Il y a tout qui sèche. Hein. Faut dire qu'avec ces températures, ma bonne dame, en même temps, c'est compliqué, hein. C'est très chaud, hein. On souffre beaucoup de la chaleur, là. C'est très compliqué, hein. Oui, gay. Dernière fois, il faisait tellement chaud que quand je sais que j'ai de la bière. Ils vont faire son bord de socle. Alors, vous êtes bon, là? Tout le monde est là. Allez, bord de socle. Bon, hé, bord de socle. Excusez-moi, je vous fais un affront. Je vous fais un affront dans une communauté telle que la mienne. Communauté à la pointe de la peinture sur figurine. Évidemment, pour vous, le bord de socle, ça vous fait doucement rigoler. Tous, on est bien d'accord que tous, vous faites vos bords de socle. C'est une évidence pour vous que le bord de socle, il est indispensable. Et surtout, surtout, ne me texturez jamais les bords de socle. J'en vois point qui font ça, là, qui te mettent des cailloux, des machins, en se disant, ouais, comme ça, le socle, il disparaît, machin, non. Le bord de socle, c'est comme le cadre d'un tableau. On ne peint pas le cadre d'un tableau. On peint le tableau, mais on ne peint pas le cadre d'un tableau. Comme on ne texture pas son bord de socle. Le bord de socle noir signifie que le spectacle est terminé, que la figurine s'arrête à cet endroit précis. D'accord? En même temps, vous m'énervez, je déborde, voilà. D'autres fautes, là. Hein. Quand on déborde, vous voyez ce qu'on fait? On trempe son pinceau dans l'eau et on retire le surplus de peinture. Alors, faut agir vite. Hein. Faut agir vite, j'agis pas vite là. J'agis moyen vite. Et on retire avec le pinceau trempé, car le pinceau sert à poser la peinture, mais il sert aussi. Le pinceau sert à poser la peinture, mais il sert aussi à la retirer. Vous savez tout, les copains. Je vous ai donné tous mes secrets. Je suis vidé, je me suis vidé. Il y a... Enfin, non, pas je me suis vidé, comment on peut dire? Je vous ai tout dit. Vous connaissez toutes mes techniques. Non, c'est pas vrai, j'en ai encore plein sous le coude. Je vous dis pas tout, hein. Parce que si jamais je veux faire un Patreon un jour, bien que j'ai des trucs à raconter, si je vous montre tout. Voilà! Eh ben, eh les gars, Béor terminé. Béor terminé. Béor terminé. Bon, pas mal, hein? Non? Pas mal, ça fait le job comme on dit, ça fait le ce do the job, it do the job. Qu'est-ce qu'on en pense de ce BR? On s'arrête là, on passe à autre chose, hein? On fait la notre bonhomme. Alors je vais lire vos petits messages en attendant. Vidéo strike pour le droit d'auteur, la lettre du Père Noël va être tellement triste cette année. Pourquoi les droits d'auteur? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est l'intérêt du pigment dans la peinture sur figue? Alors, le pigment, l'intérêt, c'est que c'est sec, ça va poser un peu de poussière, tu vois, ça va donner un rendu poussiéreux, donc très mat, que tu vas avoir du mal à obtenir avec de la peinture. Donc, c'est assez intéressant. Bon, là, j'ai peut-être un peu abusé dessus, normalement, je serais peut-être venu un peu l'atténuer, mais oh, stop, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Voilà. La seule chose que je regarde sur la plupart des peintures sur figurines, c'est l'aspect craie. Les mains, par exemple. Qu'est-ce qu'il dit? Il est fou, Sphinx. Il est fou, Sphinx. Il a craqué. Il dit n'importe quoi. Je comprends pas ce qu'il dit. Madame, il fait peur, Sphinx. Excusez-moi, je me recadre. Oui, Chris, ça me paraît pas lisse. Qu'est-ce qu'il dit? Il est fou, ce mec. Tu n'es pas le seul. Bonsoir. C'est tous fous, les mecs. Dû au brossage à sec. Oui, le brossage à sec, c'est ça. Oui, ça fait un aspect sec, tout à fait. J'ai une excuse, je 3 maths. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Vous êtes fous, les mecs, je comprends pas tout ce que vous dites. Ah, NNN, pas toi, pas après tout ce que tu as fait, ne tombe pas dans les griffes du capitalisme de la figue. Mais vous êtes fous, je comprends rien à ce que vous dites. Depuis le portugais, je ne comprends rien. Là, il y a 8 commentaires d'affilée, je ne comprends rien.
ça veut peut-être dire que vous êtes au bon endroit. Si on comprend pas tout ce que vous dites, c'est peut-être que vous êtes au bon endroit. Bon, et on arrête là ou pas? On a fini là, lui, hein. Ce qu'on pourrait faire, si vraiment vous voulez chialer le truc, on pourrait rajouter un petit peu des trucs bleus, là, vous voyez, là, pour faire un peu des aspects bleus, là, ça. Mais à un moment donné, stop. Hein? Si on s'arrêtait là, tout simplement, à cette figurine. Pourquoi aller plus loin? C'est déjà tellement joli. Tout ce qu'on risque, c'est peut-être de cacher cette belle peinture. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu veux? Je déconne. Alors. Bon, et stop, hein. Moi je dis, il est fait. Moi, ce que je vous propose, les copains. Oui, Sphinx veut dire qu'avec le bronze... Alors, tout à fait, ça donne un effet crayeux, mais c'est recherché pour certaines textures. Genre, pour le pantalon, là, tu vois, cet effet un peu crayeux, sec, il est intéressant parce que je veux faire l'illusion d'un cuir qui, voilà, il a tellement posé son cul, voilà, que ça... Ben, ça a créé du sec, tu vois, ça a un peu usé le cuir au niveau des fesses. Donc, en fait, on l'utilise, cet effet crayeux. Évidemment qu'on ne va pas l'utiliser partout, mais l'intérêt du brossage à sec, c'est que ça va effectivement donner, ça va accrocher les volumes et donner un effet légèrement crayeux, mais qui peut nous intéresser, comme par exemple ici, sur le cucu. Voilà, c'est pour cela qu'il faut éviter le blanc lors des brossages à sec. Tout à fait, Almi, tu as raison, parce que si on met du blanc dans les brossages à sec, cet effet qui est déjà crayeux à la base, ben on va encore le renforcer avec notre brossage à sec. Donc on va éviter, autant que faire se peut, de faire un petit... Je fais un petit éclaircissement, là, on ne voudrait pas. Hop. Et hop. On va éviter, tant que faire se peut... Tant que faire se peut. C'est beau, quand même, hein. On ne la sort pas souvent, celle-là, hein, tant que faire se peut. Oh. On va éviter, effectivement, de faire un brossage à sec avec du blanc. Voilà. Je mets des petites pointes d'éclaircie là parce que je trouve que sinon c'est un peu fadasse, on les voit pas trop ces petits... Alors ça va leur donner un aspect un petit peu plus métallique puisque je rajoute un spot of light quelque part. Mais c'est important qu'on les voit, je pense. Voilà, là c'est bon, ça me paraît plus juste. Bon, allez, terminé, hein. Faut savoir s'arrêter parce que moi sinon je m'arrête jamais. C'est sans fin. C'est sans fin, c'est sans fin. Oui, mais c'est l'aspect crayeux sur les mains qui me gêne. Ah, il y a un aspect crayeux sur les mains? Ah ouais, peut-être un peu, ouais. Ouais, peut-être, un peu. Mais moi, ça me gêne pas. On va dire qu'il a quitté avec ses mains, il a tripoté tellement de trucs, tu vois, que... Tu vois, il a l'aspect crayeux sur les mains. Mais j'ai pas fait le brossage à sec sur les mains, me semble-t-il. Hein. Mais effectivement, il peut y avoir un petit aspect crayeux. Alors, si aspect crayeux, il reste et que ça te gêne, après, avec des glacis, tu peux effectivement atténuer beaucoup cet aspect crayeux. Voilà, si besoin. Voilà. Moment émotion, tout à fait. Une spécialité portugaise, du cochon de l'érotie, juteux, savoureux, je voilà, ça part en sucette complet. Après, tu vernis tes figurines. Oui, je les vernis avec du vernis mat, parce que c'est de la figurine de jeu. Vernis brillant, c'est plus protecteur encore, mais bon, un vernis mat un peu costaud, ça fait le job aussi. Et puis, parce que le rendu brillant, il est pas beau, ça fait un rendu plastique à la fin. Je demande car le poulpe de ce midi, j'ai peur que cela se transforme en Cthulhu. Mode cette nuit, bref, nous nous égarons. Mais il a craqué complet, Julien Dupont. Quelqu'un peut s'occuper de lui, je pense qu'il a craqué, les gars. Allez, on arrête avec ce bonhomme. On l'enlève. Je ferai des petites photos. Putain, je vais l'enlever. Oh, vous avez entendu, ça a craqué. C'est inquiétant, ça. Alors, ma pâte à fixe, elle commence à faire un peu la gueule. Vous voyez, elle commence un peu à faire la gueule. Allez, bon, on fera la propreté de ce bonhomme après. Je vais le mettre là. Et maintenant, on va s'attaquer à... Elle. Pas elle, le jeu de figurines, évidemment, les gars. On va s'attaquer à elle. Alors, je vais de suite baisser la captation en caméra principale, parce que là, c'est plus possible. On a 1h20 de live. Voilà, on a encore une quarantaine de minutes. Devant nous. On va en profiter pour... attaquer cette petite bonhomme, cette petite bonne femme. Contrôle caméra, on va revenir à une exposition plus décente. Voilà. Là, vous voyez bien. Hein? Vous voyez mieux, là, hein? Dites-moi pas le contraire. Bon, alors, celle-ci. Figurine sympa, dans des tons de vert. Très, très vert. D'accord? Vraiment très, très vert. Je vais monter un peu l'audio du bureau et je vais baisser la captation ici.
vraiment dans des tons très verts. Vous allez voir ça. Salut tout le monde, Tonio Ruben. Bah, t'as raté, dis donc. Yep, zoz, les peaux, je les lisse. Enfin, j'essaie à mon niveau. Mais tu as bien raison. C'est exactement ce qu'il faut faire. D'avoir un aspect crayeux, sauf si tu mets du blanc pour éclaircir. Ouais, tout à fait. Rebonsoir, la gâchette. Bah, dis donc, vous arrivez pour la deuxième partie du live. En fait, ça vous faisait chier, Béor. Voilà, on n'a pas un Béor, personne n'a suivi, quoi. Voilà. Donc, on a, pour ceux qui arrivent, on a fini ça. Et maintenant, on va peindre elle. Elle est plutôt dans les tonalités de vert, un peu. Hein, un peu elle, d'accord? Donc, je fais juste un petit réglage, les copains, et je suis à vous tout de suite. Donc, petit réglage adéquat, là, on est bon. Elle est là, elle, tout va bien. Alors, on va essayer de reproduire. Pas la femme, pas la figurine. Enfin, pas reproduire la figurine, c'est dégueulasse, ça ne se fait pas. Pas devant tout le monde. On va essayer de peindre un peu dans ce style-là. Oui, je sais, je pète plus haut que mon cul. On va essayer de s'en rapprocher, les copains. Je suis pas en train de dire que je vais refaire ça stricto sensu. Évidemment que non. Il faut avoir un très gros niveau là pour ça. Et puis bon, la sculpture s'y prête pas trop non plus. Donc on va commencer par faire les couches inférieures. C'est-à-dire qu'on va commencer par faire notre peau. Peau un peu diaphane. Et on voit ici, si vous regardez bien les copains, qu'il y a des ombrages au vert. Donc on va essayer, nous, d'apporter du vert dans nos ombrages pour respecter un peu cette colorimétrie. Alors, allez, bah c'est parti, hein, mon kiki, hein, on y va. Je tourne la palette. C'est juste le temps de la tourner, oui. Donc tournage de palette, oui, c'est impressionnant. Je fais comme ça, je tourne ma palette. Parce que moi, j'aime bien avoir des grosses palettes. Et puis en avant Guingamp, on fait la peau d'abord. Alors peau, il faut que j'ai une peau légèrement claire. Donc je vais partir avec du light skin. D'accord. Bon, rendu. Hé, moi je vais me boire une petite bière. Je sais pas où, mais... Bon, vous voulez pas. Petite pause, hein, 2 secondes. Ça va, je reprends la peinture. Oh, hé. Fais ce que je veux, non. C'est mon live. Pas obligé de peindre. Pas obligé de peindre H24 non plus, hein. Et une vie. On voit pas la marque? On voit pas la marque. Oh mon dieu, ça fait du bien. C'est bien de boire un petit coup quand tu peins parce que ça resserre les mirettes. Et quand tu resserres les mirettes, tu vois mieux les détails. Ça me permet vraiment de te focaliser sur ce qui ressemble à la figurine, le truc important, tu vois. Mais ça, c'est un peu le but, toi, ça t'aide vraiment à faire le focus, toi, sur les trucs qui sont vraiment importants à peindre. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as compris, hein? Allez, on va arrêter de faire le con 2 minutes. Light skin. Light skin parce que la peau elle est claire et on va un peu se l'ombrer après avec un mélange de. Et si on tentait de l'ombrer au vert direct, non? Ça se tente ça ou pas? Ça se tente ou c'est une connerie ce que je vais faire? Qui est pour content de ça? Même pas de la vraie bière ou. Bon, on va déjà baser. Parce que là, on dit qu'on fait ça, qu'on fait ci, qu'on fait ça, mais en fait on fait que dalle. Donc là, je pose ma base. Voilà. Donc j'ai posé ma couleur de base. Je mélange un petit peu ma couleur de base sur ma palette humide. Vous voyez pas, je sais, vous voyez pas, je suis désolé, j'ai pas de caméra pour capter la palette. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Si j'ai les soutiens qu'il faut, les petits tipis qui vont bien, là, et qu'on est suffisamment nombreux, ça me fera un petit budget. Je ferai un petit plan caméra palette. Parce qu'avec le portable, c'est complicado. Alors j'ai déjà le pied pour le faire. Et. Pas de musique là encore. C'est beau. Vous entendez un peu là? Comme c'est beau ça? Je vais baser la peau maintenant. Alors, tu as déjà dilué à la 8-6? Pas du tout. Non, j'ai pas dilué à la 8-6. Bière de chantier, ouais, oui, c'est de la bière de maçon, c'est clair, c'est clair. C'est pas mal, je pense, au vert. Ouais, tu penses la gâchette, on fait ça? Et non, pas un bleu parce qu'elle est plutôt dans les tonalités de vert, la dame là. Ouais, non, je vais faire un light skin rosé, le vert, c'est complémentaire, je vote pour. On fait ça? Allez, allez, on se le tente. Oh, il est dingue, hey. Je le fais parce que vous me le demandez, hein. Je sais pas si je l'aurais fait dans la vraie vie. Hein. Non, on n'est pas dans la vraie vie, on est sur un live. Je vais faire ça avec mon beau pinceau quand même. Je me suis acheté un beau pinceau. Avec vos sous. Ouais, non, pas avec vos sous. Je peux pas acheter tout avec vos sous, évidemment. J'en ai pas assez. Je suis obligé de mettre de ma poche, évidemment.
Bon, la sculpture du visage, elle n'est pas extraordinaire, les copains. Donc je vous dis de suite, on va essayer de faire notre maximum. Mais bon, c'est le moule, hein, c'est pas le sculpteur qui a mal bossé. Hein, c'est qu'après, bah, il y a les aléas de la production. Donc on va quand même. Normalement, je dilue pas tant que ça mes couches de base. Mais là, je vais le faire pour deux raisons. La première, c'est que la peinture que j'utilise, c'est de la Scale 75. La Scale 75, c'est une peinture qui est déjà à sa base assez chargée en médium. Donc, elle est déjà un peu épaisse en sortie de peau, si vous voulez. Donc, je pense qu'il faut la diluer un petit peu. C'est pas je pense, même, ça me paraît sûr. Tout comme moi, c'est comme ça que je vais le faire. Donc, je dilue un petit peu pour cette raison-là. Et autre raison, c'est qu'en plus, comme la sculpture est pas propec, il faut surtout pas que j'empâte parce que là, ça risquerait d'aggraver la situation, vous voyez? Parce qu'il y en a une sculpture avec des creux un peu à la con là, qui sont mal placés parce qu'en fait, ils devraient pas être là. Ça risque de manquer un peu de lisibilité d'ailleurs, hein, cette sculpture. Mais on va se débrouiller, on va faire avec. Faut pas peindre que des choses faciles, hein, parce que si on peint des choses faciles en live, ça se voit et les gens ils disent ouais, bah, de toute façon il prend pas de risque, il peint des choses faciles. Donc on peint de la figurine de jeu, les copains. Pas ce qu'il y a de plus facile, parce que c'est pas tout bien accessible. Mais bon, c'est aussi ce que vous avez à peindre le plus souvent quand même, hein, de la figurine de jeu. Hein, on peint pas que de la Rolls-Royce. Ben pas que de la résine. D'accord ou pas d'accord? J'irai vos commentaires après. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je passe juste ma couche de base. Je vais vous laisser profiter de la musique en attendant, hein, que je fais ma couche de base quand même. Après, on va utiliser des astuces pour gagner du temps, hein. Sur c'est la peinture de ce bonhomme là. Parce que sinon, on va en avoir pour la vie des rats. Ouais, ça me paraît pas mal. Bon, j'ai pas enlevé super propre toutes les lignes de moulage. Hein. On est d'accord? Hein, j'ai pas fait un travail de ouf. Parce que c'est de la figurine de jeu, encore une fois. Donc, il faut savoir raison garder. Parce que, de toute façon, la sculpture fait que sur ce type de figurine, rattraper toutes les imperfections, c'est beaucoup trop long, beaucoup trop compliqué. Vaut mieux composer avec, je pense, hein, sincèrement. Essayer de lui faire le mieux qu'on peut, enlever les principales, hein, les lignes de moulage, hein, il ne s'agit pas de tout laisser. Mais voilà, ne cherchez pas à tout enlever, c'est de la figurine de jeu, pas de la figurine de concours non plus. Même moi, là en live, je passe beaucoup plus de temps que ce qu'il faudrait sur une figurine de jeu, hein, mais c'est parce que l'idée c'est de vous montrer, si je me contente juste de passer les couleurs de base, mettre un lavis. Pour vous, l'intérêt de la vidéo, vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire ou pas, les gars? Elle est pieds nus ou pas là? C'est pas pieds nus, ça. Bon, ben, je crois que la zone de peau est faite. Hein. Donc, on va reprendre sur le haut, puisqu'on a commencé par le haut, donc ça devrait déjà être sec. Voilà. On se refait une petite base sur le haut. Il faudra au moins deux couches de base hein, là, sur cette peau là. Au moins deux couches. C'est sourd. Vous voyez ce que je fais? Oui, toujours. On n'entend plus rien. C'est quoi cette musique là? Qu'on n'entend plus rien. Elle tient quoi? Elle tient quoi dans la.
La gâchette, la palette humide, sculpture bof, vive l'impression 3D, résine, lol, ok. Ouais, c'est vrai. Merci Chris. Elle tient quoi dans la dame? Elle tient une espèce de bâton plein de feuilles. Plein de feuilles. Elle est très nature et compagnie, cette bonne femme. Le pro, il aurait fait son travail, il aurait mis un peu de green stuff à la jonction du bras droit. Dis donc, et Christophe, tu vas baisser d'un ton, s'il te plaît? Ok? Tu te calmes. Tu te calmes, Christophe. Tu te calmes, s'il te plaît. S'il te plaît, Christophe. Oui, c'est vrai. Tu le pro, il aurait pu mettre de la green stuff. C'est vrai. Mais bon, hein, à un moment donné. Regardez, ça se voit pas. Regardez, ça se voit pas. Hein. Vous dites n'importe quoi, regardez. Hop là, ça se voit pas. Ça se voit pas. Tu dis n'importe quoi. On le voit à peine que le bras, il n'est pas collé au corps. Si c'était un problème, hein. Et puis, de toute façon, on a autour de nous beaucoup de gens dont le bras n'est pas collé au corps. Que je sache. Et ça ne pose de problème à personne. Ok? Rien que sur la planète Vega 6, personne n'a le bras collé à son corps. Hein. C'est même un signe distinctif hein, sur la planète. Hein. Les mecs, ils ont les bras à 18 mètres de leur tronc. Tous. Ce qui pose un peu des problèmes de circulation, je t'avouerai. Donc c'est un peuple extraterrestre qui s'est organisé selon. Hein. Le peuple s'adapte à cette situation. Bon, eh ben, on leur dit pas, monsieur Vegasien 6, vous avez les bras au long du corps. Non, on se permet pas, c'est pas poli, ça ne se fait pas. Voilà, donc elle vient de cette planète et puis c'est tout. Hein? Bordel de Dieu. Voilà. Ouais, la sculpture est bien, c'est l'usine qui fait les moules qui se touchent, mais oui, c'est souvent ça. Cela dit, vu le prix et la quantité de figues, ils auraient pu améliorer la production, c'est clair. Oui, c'est vrai qu'il n'y en a pas 50. Bon, après les sculpteurs, des fois aussi, ils s'arrangent. C'est-à-dire, quand un sculpteur. Enfin, les sculpteurs, ils sont au courant, hein, les sculpteurs pro notamment, de ces contraintes un peu après de manufacture, on va dire, de production. Et ils adaptent leur sculpture en fonction de ça, justement, pour éviter ce genre de problème. Parce que là, en fait, c'est une multipart. Figurine multipart, ça veut dire qu'on peut aller sur des poses un peu plus complexes, mais ça suppose un collage en usine. Et des fois, c'est plus ou moins bien fait, comme là, c'est pas tip top. Alors après, vous avez des boîtes qui investissent, qui mettent le pognon, et on se retrouve avec du multipart un cran supérieur. Hein. Moi, par exemple, parmi les figurines de jeu qui m'ont mis le plus la claque, il y a les figurines de L. Je sais pas si vous connaissez ce jeu de société. Ce board game qui s'appelle L, que j'ai, on n'a jamais joué. Bon, c'est parce que c'est plutôt un jeu à deux. Donc je l'ai acheté, mais je jouerai jamais. Je l'ai acheté, je sais pas ce qu'il m'a pris. Mais les figurines sont magnifiques. Vraiment magnifiques. C'est parmi les plus belles qu'il m'ait été donné de voir pour le format figurine de jeu. Et c'est du multipart, mais alors. On se fait tomber. Il est tombé où? Ah, puis il est passé loin en plus. Hein. Allez, vas-y, il est passé sous la table. Allez, pousse-toi de la table. T'as un mec, t'es Grindry, c'est un Grindry, c'est un employé de la maison qui fait le nettoyage. On l'appelle Grindry, mais on l'aime bien, hein. On aime bien Grindry, c'est un ami de la famille. Il vit sous mon établi. Quand j'ai fini, il fait un petit. Hey, petit coquin, va. Allez, pousse-toi. Il est gentil. Il fait un petit coup de propre, vous voyez, quand on a fini. On l'appelle Grindry. C'est les Balkany qui nous l'ont prêté. Parce qu'avant, il travaillait pour les Balkany. Mais bon, les Balkany s'en sont séparés parce que bon, t'es pas très propre. Moi, je l'ai récupéré. Écoutez, j'en suis content. Hein. Non, franchement, j'en suis content. Voilà, la peau, elle est faite. Vous voyez? Hein, c'est pas compliqué, c'est une peau. Et maintenant, on va faire la figure de style qu'on a dit qu'on faisait. Hein. Je baisse un peu le son de la musique parce que là, c'est un passage important. Il faut pas qu'on fasse n'importe quoi, les copains. T'as fait à peu près ça aussi, ça. Elle me fait une palette humide, j'ai pris une boîte. Ah oui, heureusement que tu. Heureusement que tu. Ouais, c'est la peinture acrylique. Heureusement, bah oui, je plus sois, je les ai sous-couchés avant de partir. Ouais, les figurines de Awakened Realms, c'est pas l'extase, je suis d'accord. J'ai Nemesis et les figurines des héros sont poussées sous un 30 tonnes juste après le contrôle qualité. Ouais, je l'ai repris Nemesis, moi j'espère que ce sera bien. Trouver un récipient à boire un peu, ouais, ça c'est la palette humide. J'ai un projet depuis pas mal de temps, les Elemental Fire de chez Pegaso Model. Ça tombe bien que tu fasses la peau pour le coup. Ah, ben très bien. Alors là, ça va être une peau particulière. On tente un truc, hein. On tente un truc. Alors, ce qu'on avait dit qu'on tentait, les gars.
c'est de faire un shade avec du vert. Donc, shade avec du vert. J'ai du vert. J'ai du vert. Mais il me faut un vert. J'ai ce vert-là, qui me paraît pas mal. Ce vert-là, il me paraît pas mal. C'est du Belgian Green. Si je le mets tel quel, je pense qu'il va manquer de médium et il va avoir tendance à aller que dans les creux et on va perdre cet effet vert peut-être sur le reste de la figurine. Donc je pense que pour que le vert se stack un peu sur des surfaces plus larges que simplement les creux, je vais lui rajouter un peu de médium. D'accord? Du lamiam médium en l'occurrence. Donc j'ai mon lamiam médium ici, j'ai mon vert là. Attention, expérience. La musique va bien pour ce genre d'expérience. C'est parti. On le fait. Je prends un peu de vert. Je vais essayer de le faire pour que vous puissiez voir. Vous voyez là? Vous voyez? Là? Là. Voilà. Je prends du médium, quantité égale. Je vais mélanger. Et maintenant, je passe sur ma fille. Violent, mais c'est pas inintéressant quand même. Ouais, c'est pas inintéressant. C'est pas inintéressant quand même ce que ça va donner. Vous voyez? Fait chier ce truc là. C'est pas forcément une connerie qu'on a fait. On a tenté, je pense que ça va payer. Je pense que ça va payer. Je finis juste de bien faire la propreté un peu partout. Voilà. Voilà. Là, sous le coup, c'était bien chargé en vert, là, sur le dessin. Donc, on va essayer de reproduire ça ici, en stackant du vert. Là, vous voyez, là, je pose du vert bien chargé, là, dans le creux du cou. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez peut-être pas bien ce que je fais, en fait. Faut que je mette plus à plat. Voilà. Alors, pas inintéressant du tout, vous voyez, ça a porté des tonalités de vert dans la peau. Ça a plutôt marché, notre histoire. Ça a plutôt marché. En ce moment, je suis sur les figues de Mythic Battle Panthéon, très agréable à peindre. Ouais, c'est vrai, il y a des très belles figurines sur Mythic Battle Panthéon. Il y a aussi quelques belles merdes, faut pas se leurrer, mais il y a de très belles figurines. Il y en a quand même une majorité de très très belles figurines d'ailleurs sur Mythic Battle Panthéon. J'ai fait les dieux, moi je me suis régalé. Pas tous, mais. Tu utilises des peintures contrastes pour faire quel genre de choses? Alors pour faire leur utilisation prévue à la base, c'est-à-dire on va l'utiliser là, tiens, notre contraste là. On va le faire là. On va le faire sur cette grosse grappe de feuilles là. Et aussi pour faire des glacis et aussi pour faire des tonalités. Parce que la contraste diluée avec de l'eau, c'est une figurine, c'est une peinture qui est très bien chargée en médium, donc elle se tient toujours très très bien. Et diluée avec de l'eau, après vous pouvez la passer en glacis comme ça pour apporter un peu des tonalités, du rouge sur les visages, les pommettes et tout, ça marche très bien. Fallait juste y jouer le gel Vatsel, la figue de modelette sont cool aussi. Après, avec la chaleur actuelle, elle est sévère avec l'eau. Au départ, j'ai mis juste ce qu'il fallait, mais mélange séché en 5 minutes, donc faut en mettre pas mal. Ouais, c'est vrai. L'avantage du médium aussi, c'est que ça retarde le séchage. Oui, le vert me semble un peu fort. Non, non, tu vas voir, ça va marcher. Tu vas voir, parce qu'on va reprendre. Moi, je pense que c'est une très bonne idée qu'on a eu ce vert-là. Tu ne fais pas son bras et main gauche. Si, j'ai fait. Non, je sais pas. Oh putain, tu as raison, j'ai oublié. L'imbécile! J'ai oublié son bras gauche.
Putain, heureusement que t'es là, mec, et oh. J'ai pas fait le. Le mec, quelqu'un nous appelle le bras gauche. Tiens, on a plus de musique, pourquoi là? Explique, pourquoi on n'a pas de musique? Reprenez, s'il vous plaît. Merci. Le mec, il s'arrête. Hein? Oui, ben, j'ai pas dit d'arrêter de jouer. On n'a pas fini le live. Alors, tu prends ta mandoline et tu grattes. Hein? Excuse-moi. Voilà. Pas trop fort, hein? Eh oui, le bras. Quel imbécile. J'ai pas passé le bras. Je me disais, il manque un truc. Oui, forcément. Forcément. Et je remarque une chose, c'est que personne n'en parle. Si toi tu le dis pas, personne n'en parle. C'est fou quand même. Tu as eu du cran de tester quand même. Non, tu rigoles ou quoi, faut toujours tester. Et merci Electron Libre, là, je cherchais Electron Libre. Plus 1 sur le chat. Christian, tu mets un plus 1 à Electron Libre, s'il te plaît. Hein, tu passeras me voir à la compta. Parce que si Electron Libre il le dit pas, les autres, canard, hein. Personne ne dit hein, que j'ai pas fait le bras. Hein. Hein, vous me laissez passer pour un con là. Parce qu'après, cette vidéo là, elle est sur YouTube. Et qui c'est qui passe pour un imbécile, c'est Bibi. Merci, Electron Libre. Voilà. Bon, hey, on va faire les cheveux en attendant. On s'endort pas là, on s'endort là. C'est pas traîner là. On fait les cheveux. Les cheveux, ils sont communs. Ils sont un peu jaune marronasse là. Hein, c'est un peu l'idée. C'est un peu l'idée. Et puis son costume, il est vert. Ouais, c'est des herbes, c'est quoi? On sait pas trop son costume. Je vais le faire avec de la contraste vert, on verra bien. Écoutez, on a de la contraste, on va l'utiliser. J'ai soit ce Plague Blur Flesh qui me paraît peut-être un peu clair. Je verrais bien un vert un peu plus soutenu, moi. Genre. Et j'ai pas d'autres verts en fait en contraste, je suis en train de percuter. Hein. J'ai que ce vert là. Un peu léger. Non, j'ai un vert militaire aussi. Ça m'inspire ou pas? Non, trop foncé ce vert militaire. Pas assez. Alors ce qu'on va faire, on va le faire en deux temps. On va passer ce contraste vert là. D'accord? Qui est du. Eh ouais, c'est à l'envers parce que je filme à l'envers en fait, ma caméra est inversée. Je vous expliquerai pourquoi. C'est compliqué, posez pas de questions. C'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Donc contraste Plague Bearer Flesh. Alors, je vais lire les bonnes idées parce que je vois qu'il y a des bonnes idées sur le chat. Qu'est-ce que c'est les bonnes idées que vous avez? Parce que je les vois venir, les grosses idées. Parce que je le connais, mon chat, maintenant. Je sais ce que vous êtes. Hein. En effet, Chris, ça me rappelle mes cuites au jet. Oh, mais. Kevin, la mandoline, doucement. C'est trop fort là, la mandoline là. Voilà. Le mec il joue là. Oh, s'en crut tout seul ou quoi là. Voilà. C'est la bière qui fait effet et hop, un bras en moins. Vous rigolez ou quoi, une bière? Dommage, c'était le seul bien joint. Merci Julien. En plus, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué cette song. Oui, ça va, j'ai une playlist, j'ai pas 50 000 de morceaux, donc ça revient, forcément. Une mouche qui s'est posée sur moi. Ah, donc on fait avec ce qu'on a. Bon, je vais rallonger la playlist, ça va, j'ai compris le message. Au pire, des potes, il coupe le bras, un petit accident de guerre. Mais oui, oui, Lolo, le belge fou. T'as raison, Lolo, oh, hey, mais pas un bras près. De toute façon, pour ce qu'elle en fait de son bras, je vais te dire. On a eu, j'ai un pote qui l'a joué. C'était pas particulièrement brillant. Pas grave, vu la sculptée, tu fais le bras en branche, ça passe. Mais oui, carrément. Creed Camo, tu penses c'est bon Creed Camo? Ouais, mais je l'ai pas celui-là, Creed Camo, Charles. Ouais, le Shade, Attonation, comme Shade, mais je pensais à ça. Je pense que ça va le faire. Mais je pense aussi, alors en fait, ce que je vais faire, un peu un mix de ce que Christian dit et ce que je dis. Mais il y a le bidou aussi que j'ai pas fait, là. Putain, les gars, mais faut. Vous faites gaffe à rien, voilà, vous êtes pas attentif là. Le bidou là, faut le peindre ça aussi là. Et c'est un fiasco total cette peinture de figurine. Mon dieu. Regardez-moi ça. Un fiasco total. Voilà, le bid. Si on fait pas le bid, ça marche pas. Ouais, mais faut se réveiller les gars. Voilà, là aussi là.
Non, mais vous le servez à quoi, franchement? À quoi vous servez, là? Excusez-moi, hein, mais je suis un peu énervé, là. Dites rien de ce qu'il faut pas. Voilà. Bon. Ah, j'ai rattrapé la boulette, c'est bon. Allez, un bison dans le plus. Allez, c'est bon. Donc oui, on va faire son petit bâton vert là, à la con là. Ah, c'est ton perso, Chris? Ah oui, c'est vrai, c'est ton perso. Ouais, bah bouffé par le weird, bah c'est ça, hein. Un peu bouffé par le weird. Hein. Donc je mets de la contraste. Donc là, on se pose pas de questions, direct sortie de peau. Bam. Voilà. Ça, c'est bien. C'est un peu comme ça. Ouais, c'est un peu dans l'esprit, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, je sais pas trop si c'est ça complètement, mais on va dire que c'est ça. Parce que on n'arrive pas trop à distinguer de quoi est-ce, comment c'est fichu ce bordel. Là, je pense que c'est plus mode bâton sur la partie basse. Hein? C'est un peu plus mode bâton. Donc, on va prendre de la contraste qui fait bâton. Whitewood. Ça porte bien son nom, ça. Whitewood. Whitewood, dedans, il y a wood. Donc, c'est que c'est pour faire sûrement un peu des bâtons, ça, non? Voilà. Donc là, travaille dans le frais, les copains. Hein? Whitewood, ouais, c'est bien. C'est bien, Whitewood. On voit bien que ça fait du bois. Hop, hop, hop. Je projette un peu de Whitewood partout, vous voyez? Vous voyez doucement, hein? Parce qu'après, avec le jeu des poils qui se rebiquent, ben, vous projetez des petites pites de peinture comme j'ai fait un peu partout, là, vous voyez? Donc, c'est hyper dangereux, évidemment. Ne faites pas ça chez vous. Donc, allez-y doucement. Pas comme je fais moi, là, comme un bourrin. Voilà. Voilà, on passe ça tranquille partout. Vous voyez rien là, c'est normal. Je rajuste la caméra. Voilà. Vous allez mieux voir là. Hein? Excusez-moi. Voilà, du whitewood. Whitewood mélangé ici avec du. Voilà. Directement. En sortie de peau là, bim bam boum. Voilà. Là, c'est pas du whitewood, c'est du tac tac. Que de l'herbe. Là, que de l'herbe. Là, que de l'herbe. Là, c'est un mélange un peu des deux. Donc, on fait pof pof pof. Voilà. Écoutez, pour l'instant, on va se contenter de ça. On verra après si on détaille cette partie-là. Le problème, c'est que pour le coup, c'est tellement what the fuck cette sculpture-là qu'on comprend pas trop. On comprend pas trop. Enfin, ça va être difficile à rendre lisible ce tas de feuilles-là. Bon, écoutez, pour l'instant, on en est là. Je pense que maintenant, ce qu'on va faire, deuxième couche sur la peau, on en profite là vite fait, le bras. Hein, on s'endort pas. On ne s'endort pas. Le bras. Voilà. Le dos. Et le bidou. Voilà. Allez, ça c'est pas mal. Donc maintenant on est bien. Donc ça c'est bon. Par contre là, ces vêtements-là, c'est quoi? C'est un peu vert. Et ouais, c'est vert marronasse, c'est un peu zarbe là dans le truc. On n'arrive pas trop à identifier comment c'est foutu ce délire là. On va partir sur le fait que ça c'est un peu marronasse. Ok, ça j'ai compris. Bon, dans le doute, on va quand même, parce que je pense que le bras descend jusque-là, parce qu'évidemment, vous ne me dites rien si c'est pas moi qui. Hein. Excusez-moi, je parlais là, mais vous êtes là. Oui, ça va, ça va. Donc là. Voilà. Bon, là, normalement, on n'a pas oublié de peau. Hein? J'espère, hein? On n'a pas oublié de peau. Donc, on va pouvoir apporter le vert qui nous manquait. Bon, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Je pense que si on fait trop vert partout, ça va être. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire, on va apporter un peu du cuir dans les. On va utiliser pas mal la contraste, hein. On va essayer de gagner du temps là, sur cette histoire. Ça nous fera une peinture faite un peu contraste et une autre faite pas trop contraste, ce qui est pas mal non plus. Pas mal, pourquoi pas. Je vais utiliser ça un peu là, je vois un peu ce que ça donne si j'utilise ça. C'est pas mal ça, hein? Oui, pof. Allez. Au pire, on y reviendra.
Mais pour l'instant, on va baser cette histoire-là un peu comme ça. Juste voir un peu ce que ça donne. Pour gagner un peu en lisibilité, parce que vous avez compris que cette figurine-là, si on ne fait pas avancer un peu toutes les parties, on va avoir du mal à savoir où ce qu'on en est. Bon, si j'ai débordé un petit peu à certains endroits, c'est pas très très grave. Il faut essayer de ne pas déborder, bien évidemment, mais si vous avez débordé, c'est pas la cata non plus, hein. Tac, 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 tac. Voilà, la contraste, vous voyez, elle se glisse bien dans les creux. Ça permet. Je vais essayer de redresser plus les figurines pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Voilà, ça permet véritablement. Voilà, ici. Voilà. N'hésitez pas d'ailleurs à me faire vos retours hein, sur les lives. En me disant si c'est bien capté, pas bien capté, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le truc, si vous voyez bien où se pose mon pinceau, tout ça, parce que c'est parfois pas simple de peindre et en même temps de peindre pour la caméra, on va dire. Et trouver le bon angle. Parce que l'angle idéal, ce serait à la place de mes yeux. Mais si je mets la caméra à la place de mes yeux, ben, je vois plus rien. Ah ouais, vous avez compris, les gars. Vous avez compris ça quand même. Parce que je me méfie quand même un peu quand je vois le niveau du chat. Voilà. Pareil pour là. Je pense qu'on est plutôt en mode un peu liane de cuir là sur cette histoire là de ce côté. Donc on va le faire en ce mode-là. Et après on va calmer la contraste un peu. On va peindre quand même. Enfin on va calmer la contraste. Pas pour tout, mais là pour cette partie-là, voilà. Là on va calmer un peu après. Ici, alors évidemment, il faudra reprendre les zones de peau qu'on a faites avec du vert, avec notre glacis vert là, évidemment. Voilà, là. Voilà. Complètement décalé, me le dites pas surtout. Oh mon Dieu, c'est compliqué à atteindre là ce petit espace de merde. Ah ben d'ailleurs j'ai débordé. D'ailleurs, j'ai voir. C'est bien parce que ça vous montre quand il y a des figurines qui sont pas faciles à bosser, comment qu'on fait? Ben, on fait de la merde, tout simplement. Puis on rattrapera, tout simplement. Pas de 36 solutions, moi, les gars. Voilà. Bon. La contraste, ça va être long à sécher. Donc là, on va pas y revenir tout de suite. Là non plus. Ce que je peux faire, c'est reprendre là, mais là, je pense que ce sera plutôt bracelet, genre un peu bracelet or et tout, là, un peu les colifichets, des trucs dans le genre, non? Hein? Ouais. Ouais, ma gueule, cheveux. Je vais baser les cheveux. Alors, je vais dire un peu, des feuilles séchées, quelques un peu ratées, ce qu'elle tient, je trouve ça plutôt moche. Ouais, moi aussi, mais après, on va essayer d'améliorer ce rendu-là avec de la peinture. On va essayer de rendre ça lisible. Quelqu'un sait ce qu'elle tient. Bah, c'est une espèce de tas de feuilles, tu regardes, voilà, là sur l'illustration que j'ai moi. C'est une espèce de bâton avec des feuillasses, quoi, tu vois. Tu vois un peu l'idée, quoi. Bon, on va essayer en tout cas de rendre un truc, quelque chose. Quelqu'un avait utilisé l'apothicary white, je ne sais qu'en faire. Bah si, pour travailler du blanc, apothicary white, pour le blanc. Ça fait tes ombrages de blanc, là, contraste apothicary white. Bon, je vous abandonne, peinture pour moi sur les routes demain. Des bises, bonne soirée, je reviendrai plus souvent. Zoz, Edouard Baird de la Figue. Ah, oh, ben, c'est rigolo, j'adore Edouard Baird en plus. Eh ben, passe une bonne nuitée, Simstil, merci d'être passé. Gros bisous à toi, bon courage pour la route. Et puis à bientôt, j'espère. À part pour les Stormtroopers, Johan, ben moi non plus. Ah oui, les Stormtroopers, ça marche très bien, la petite Carrie White pour les Stormtroopers. Bonne nuit, Simsti. Pas de contraste pour moi. Tu peux nous remonter Artwork SVP. Ouais, je te remontre, Electron. Voilà.
voyez un peu le truc. Bon, pas simple, hein. Mais bon, challenge. On l'est ou on l'est pas? Non, ton setup pour cadrer est très bien. Ok, merci. Ouais, c'est juste que par contre, c'est très serré pour vous voyez, mais du côté, je sais pas trop de marge de manœuvre. C'est Poison Ivy, ouais, c'est la Poison Ivy de Chinchin Grail. Ouais, on devrait une corne d'abondance. Ouais, peut-être ça ressemble à ça. C'est vrai, c'est vrai. Allez, je vais repasser mon Belchild Green. Dilué à ma contraste que j'avais sur le côté là. Hop, hop. Donc Belchild Green. Mélange mix Belchian Green, mix contraste 50-50. Et ça, voilà, je le passe sur mes zones de peau pour leur apporter un peu de verdure. Pourquoi avec du médium? Histoire que le vert n'aille pas que se stacker dans les creux, mais reste un peu aussi sur les volumes. D'accord? Pour teinter un peu ma peau avec du vert comme ça peut l'être. Comme le rendu qu'on a sur l'artworks un peu. Sachant qu'après on va venir un peu estomper cet effet. Hein. Alors pas complètement, parce qu'en fait il est intéressant cet effet, je pense. Pour l'instant, ça se voit pas tout de suite, faites-moi confiance. Hein. Pour l'instant, ça fait un peu dégueulasse. Je vous vois venir. Je sais ce que vous pensez. Vous dites, oh lolo, putain, dans ce studio, il fait un peu de la merde là. Je m'excuserai, mais. Eh bien non, les gars. Je vais vous montrer que non. Je vais vous montrer qu'avec. De toute façon, alors, règle de base dans la peinture sur figurine. Les débuts, quand je dis les débuts, c'est pas vos débuts en matière de peinture sur figurine. Mais c'est quand on commence à peindre une figurine, il faut savoir qu'il y a des passages par lesquels on passe, qui sont nécessaires, et où la figurine va être moche. Mais c'est presque une nécessité, c'est une base, d'accord? C'est-à-dire que, oui, c'est moche, mais c'est un travail préparatoire. Ça sert pour autre chose. Si, si, faites-moi confiance. Si, 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 faites-moi confiance, je vous dis. Hein, vous voyez juste quelque chose de moche. Moi, mon œil de professionnel, il voit les piliers. Vous voyez du moche. Moi, je vois les piliers. Mais non, je blague. Vous voyez sûrement, parce qu'il y a quelques peintres qui ont du niveau, là, parmi nous. Bon, il y a des tocards aussi, hein, dans le lot, là. On a deux, trois tocards. Hein. On a des mecs qui sont là et comprennent pas ce qui se passe. On est d'accord. Mais on a des bons. On a des bons. Hein. Donc eux, ils doivent comprendre ce que je suis en train de raconter. Ils doivent se dire, ouais, je vois ce qu'il veut dire, je vois où il veut en venir. Je vois un peu à quoi ça va lui servir, toutes ces tonalités de vert là. Vous voyez, j'insiste même. Notamment sur le bas. Alors sur le bas, pourquoi? Parce que j'estime que sur le bas, ce qui va être intéressant, c'est de considérer qu'en fait, c'est le reflet de la verdure qui se reflète sur les parties de la figurine qui sont exposées au bas. Donc on a quelque part cette remontée là, vous voyez, de lumière verte. C'est intéressant. Vous voyez. Déjà vous commencez peut-être à percevoir un peu au niveau des jambes ce que ça peut apporter là, ce vert là. Vous voyez les copains, vous commencez peut-être un peu à comprendre là. Hein? Alors ce qui va être très chiant, c'est tout ça là, parce que je ne sais absolument pas ce que c'est ces machins là. Oh! Faudrait que je trouve des artworks où on la voit en entier, parce que sur l'arrière c'est un peu plus lisible. Mais alors devant là. Vous dire ce qu'elle a. Alors là, c'est des potions, mais alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Oh la vache. On va galérer, hein. On va galérer, les gars. On va galérer grave. Ah, mais il y a des tonalités violette-pourpre sur l'image. Ah ouais? Hein? Tu crois, toi? Ce serait pas étonnant, hein. Oui, il y en a un peu, ouais. Mais on en fera un peu. Oui, il y a des tonalités violette-pourpre, tout à fait, parce que ça contraste très bien avec le vert. Donc on le fera sur les zones de peau, tu vois, genre pommettes et tout. Je pense que ça va être intéressant. Hein? On va essayer de faire la highlight la plus belle qu'on ait vue sur internet. Comme on a fait pour Béor, le plus beau Béor du internet, on essaye de le faire. Voilà, on va voir ce que ça va donner, on va le poster. Et là, on essaye de faire la plus belle highlight de l'internet. Voilà. On essaye, on essaye. Bon, les cheveux. Les cheveux, on va les baser comment? Ces putains de cheveux là. 2h05, les gars. Bon, allez, je vais continuer un tout petit peu, mais on va s'arrêter dans pas longtemps. Hein. On va s'arrêter, je sais que ça va vous fendre le cœur, mais faut savoir s'arrêter. Il n'y a plus de musique. Si, il y a un peu de musique. C'est quoi la musique? Pas mal. Team Tokar. Ouais, c'est un peu ça. Bon, la musique là, qu'est-ce qui se passe? Ça joue plus ou quoi là? Ah, si. Voilà. Un petit peu de musique. Bordel. Bon, ça. Bon! On base les cheveux.
On base les cheveux avec quoi? Ça me paraît pas trop mal. Ça, c'est du uniforme, je sais pas quoi. Uniforme allemand, je crois, ou anglais. Hein? Ça, là. Voilà, je base les cheveux avec ça. Ça, ouais, pas grand-chose. Prince Auguste, uniforme anglais, me semble-t-il. Moi, j'ai pas trop dilué. Parce que c'est pas intéressant de diluer là. C'est de la base. Donc je base. Il y a un peu de vert dans ce marron, vous voyez? Donc c'est pour ça que c'est pas inintéressant d'utiliser en base si on veut rester dans l'esprit que on veut des tonalités de vert sur notre bonne femme. Alors après, tiens, j'en profite pour vous annoncer un peu des news. Je suis toujours sur le montage de mon énorme tuto sur Gulliman. Hein, j'essaierai de mettre un tuto gratos, les gars. Disponible à tous, hein. Même pas un Patreon. Hein. Un truc accessible à tous, gratos, high level, sur comment peindre Gulliman. Sachant que, évidemment, tout le monde ne va pas peindre Gulliman, mais il reste intéressant ce tuto parce qu'on y traite différents matériaux. Notamment de l'or, notamment de l'OSL, un OSL complexe. Et ça va être intéressant, pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, de voir un peu comment moi je procède. C'est ma façon de procéder, hein. Après, il y en a plein des manières de faire, hein. Et puis je vais vous dire, c'est ma façon de procéder à l'instant T. Mais dans une semaine, vous me redemandez si ça se trouve, je le fais autrement, hein. Faut surtout pas s'encrouter dans la peinture sur figurine, hein. Surtout pas. Alors là, ça va être un peu délicat parce que c'est petit tout, donc il faut aller chercher le, faut aller chercher le visage, enfin faut aller chercher le bord du visage sans taper le visage. Vous avez compris quoi? Donc je vais prendre mon poil de cul, hein, il n'y a pas de secret, hein, à un moment donné. Hein, puis je vais aller peindre ça avec mon poil de cul. Je pense qu'on peut remettre la tonalité normale parce qu'on n'a plus trop de blanc, hein, de notre mélange là. On n'a plus trop de blanc, donc on va remettre en tonalité normale. Donc on fait configurer la vidéo. Contrôle caméra, exposition, moins 8. Appliquer, ok. Est-ce que ça marche ou est-ce que c'est encore... Ah, c'est un peu cramé quand même encore. C'est un peu cramé encore. Je finis ça et je reviens sur l'ancienne expo. Je reviens sur l'ancienne expo parce que là, chez moi en tout cas, c'est cramé. Dites-moi chez vous comment ça ressort. Mais j'ai l'impression que les blancs sont cramés. C'est-à-dire qu'en gros, c'est éblouissant et vous voyez pas. Comme il faut. Donc, intérêt pourri. Elle a des reflets verts en plus dans les cheveux. Hein, donc, il faudra qu'on aille chercher du reflet vert là aussi. Hein. Ouais. C'est reflet vert, reflet vert. Ils ont beaucoup joué là-dessus dans les artworks de Tintin Grêle pour bien différencier les couleurs des personnages. Béor est sur le bleu, elle est sur le vert, et puis les autres personnages, c'est du marron, du gris, enfin voilà. Toutes les couleurs, c'est bien, c'est plutôt intelligent. Puis ça leur donne une. C'est toujours intéressant de travailler avec une palette réduite, ça donne aussi du charisme à un dessin et à une pièce, que de travailler avec des tonalités un peu réduites. Ouais, ça pique, hein. Ça pique les yeux. Hein. Ouais. Alors, on va remettre l'ancien réglage qui ne pique pas les yeux. Ancien réglage qui ne pique pas les yeux. Attention, configurer la vidéo. Contrôle caméra. Exposition. 9. Appliquer. Ok. Ok. Voilà, on est mieux là. Je reprends un petit coup, les gars, parce que j'ai soif là. D'une pipe. Oh, ça fait du bien. Et je pense que il y a petite boulette là. Je pense que là c'était de la chair. Là aussi qu'il aurait fallu faire un peu. Bon, c'est pas très grave. J'irai le chercher avec du vert, ça. J'irai le chercher avec du vert. Allez, je me rinciste mon vert ici là, parce que je le trouve très intéressant ce vert là.
Vous avez vu, quand on met du médium, comme ça nous permet de vraiment travailler dans le dans l'ombrage doux. Vous voyez, ce vert, il tombe assez. On va assez doucement dans le vert sur les membres inférieurs. C'est intéressant, ça. C'est intéressant d'observer aussi comment se comporte votre peinture quand vous testez des choses, pour le garder en tête et vous dire, bon ben voilà, ça, bonne idée pour ombrer au vert. Je prends ce vert-là, là, ce Tienban machin, là, je mets du médium. Et ça me fait une très bonne recette pour faire un petit dégradé au vert sur mes ombrages inférieurs. Et encore une fois, oui, c'est pas forcément logique cette couleur-là. Mais c'est joli, ça donne quelque chose, c'est graphique. Voilà. Donc là, je suis allé rechercher un peu vert, hop, plus mon médium. Donc c'est un mélange de 1 pour 1. Ce qui est intéressant aussi, c'est de noter vos recettes. Pensez à le faire, parce qu'après, on oublie. Donc quand vous trouvez une bonne recette, que vous pouvez réutiliser pour d'autres choses, ben, vous la notez. Et tiens, pensez à ça. Une bonne idée pour faire ceci, pour faire cela, et voilà. Hop, là où je pense c'est intéressant, j'en remets encore une couche. J'aime tellement, vous voyez, le rendu, que j'y vais, j'insiste. Là, je vais m'en faire un peu ici. Là, sous la cuisse, ici aussi, je vais le charger un peu parce que je trouve ça intéressant. Là, sous la cuisse, voilà, là, ici aussi. Voilà, on va pas trop y aller. Et après, dans les éclaircissements aussi, on va venir bien sûr nuancer ce vert, hein, un petit peu, je vais dire, l'éteindre sur certaines parties. Notamment. Voilà. Bon, c'est pas mal. Bonzo, je te souhaite une bonne soirée, à la prochaine fois et bon courage. Bah, vous savez, les gars, de toute façon, on va se quitter là. Hein. On va se quitter. Voilà où on en est. Je vais enlever ce fond-là parce que vous voyez pas grand-chose, ça se verra mieux là. On en est là pour l'instant avec elle. Donc on finira sur le prochain live. D'accord. Je vais peut-être avancer un poil de mon côté, 2-3 conneries, histoire de vraiment finir sur le prochain live. Ce que je vais avancer, c'est essentiellement sur la lisibilité. C'est-à-dire essayer de voir comment c'est ça, poser un peu les couleurs. Je vais regarder les artworks pour poser les bonnes couleurs aux bons endroits. C'est moche, mais c'est normal, c'est un départ. Voilà, le départ il est toujours moche, c'est plutôt rassurant qu'il soit moche, c'est toujours une base, et après on va venir affiner tout ça, vous allez voir, et après ce sera joli, enfin on espère en tout cas. Voilà, je regarde vos derniers commentaires, je comprends rien, il faut peindre des piliers moches, il faut tout peindre moche, en fait il faut accepter quand tu peins que tes premières poses de couleur elles ne soient pas propres. C'est-à-dire que ton rendu ne peut pas être soigné. Il y a des choses qu'on pose. Mon verre, là, par exemple, je ne vais pas le garder comme ça. C'est une base. Souvent, quand on cherche à atteindre le résultat au début de sa peinture, c'est-à-dire on commence à peindre un bonhomme, on est dans les premiers coups de pinceau et on cherche de suite le résultat, c'est pas la bonne voie. En fait, il faut prendre ça comme des calques. Il faut comprendre qu'il y a des couches dont l'utilité n'est pas le rendu final, mais tout simplement de venir préparer les couches qu'on va mettre ensuite. D'accord? Donc, le principe du sketch, par exemple, quand on fait un sketch sur un dessin ou sur une figurine, ce sketch-là, c'est pas le rendu final. En fait, c'est un travail préparatoire, c'est des fondations. Ça sert à quelque chose, ça sert à faire avancer sa peinture. Pensez au calque de Photoshop, d'accord? Et après, ça vient affiner, parce que vous avez compris, la matière acrylique, elle est transparente. Donc, on ne va pas avoir le même rendu si je pose cette matière acrylique sur une couleur claire, sur une couleur sombre, selon la couleur de cette, de cette couleur. La dilution que je vais apporter va faire que cette peinture va se glisser dans les creux, ne pas se glisser dans les creux. Voilà. On joue sur la chimie, hein, presque. Hein. On joue un peu sur la dilution de ma peinture, comment elle est dense ou pas dense. Est-ce qu'il y a du médium qui fait qu'elle va pouvoir se tenir sur les volumes, ou est-ce que je vais mettre beaucoup d'eau pour qu'elle aille chercher uniquement les creux? Tout ça, c'est important. Moi, c'est les choses que j'aborde quand je fais de la formation en peinture. Hein. Là, je n'en parle pas parce que voilà, enfin, j'aborde. Si les élèves le demandent, que ce soit en cours collectif ou en cours individuel, c'est des choses qui sont intéressantes, qui peuvent paraître anodines, mais qui sont intéressantes. C'est une autre manière d'appréhender la peinture sur figurine, mais sur des. C'est une bonne manière de l'aborder. C'est-à-dire de comprendre qu'il ne faut pas chercher le résultat sur les premiers coups de pinceau. C'est, ça se travaille par couches successives. D'accord? C'est un peu trop exposé, oui, ça, c'était pour tout à l'heure, j'imagine. Franchement, tu es motivé car elle n'est pas lisible, la miss, mais bon. Ouais, non, mais voilà, le but, bah, justement, moi j'aime bien aussi ce petit défi, de me dire que c'est un peu moche, ça manque un peu de lisibilité, mais on va essayer d'en faire quelque chose.
D'accord? C'est pas inintéressant comme exercice aussi, je trouve. Ça permet de voir un peu ce qu'on peut faire, quoi. Voir jusqu'où on peut aller. Pique à tes yeux, mal à ton ventre. Bonzo, je te souhaite une bonne soirée. Ben, bonne soirée, Benjamin. Bon, je vais mettre mon like car ça n'a pas trop dérapé. Merci, Christophe Vignon. Merci, à bientôt. Bonne nuit. Perso, je dois souvent accepter que quand c'est fini, c'est moche. Ah ouais, c'est un autre problème. Quand c'est fini, il faut que ce soit joli, par contre. Ça peut pas être moche trop longtemps, quand même. Hein, c'est sûr. Donc, merci, Benjamin. Christ Mayer qui remercie. Je comprenais pas pourquoi déjà fini, mais j'ai une heure de décalage ici. Ah, d'accord. Ouais. Christophe Vignon, Team Tocartou, voilà, bienvenue dans la Team Tocart des Gentlemen Panouilleurs. Bon, ben voilà, ben les gars, on n'aura pas chômé quand même, on aura fini ce petit bonhomme-là. Hein, on n'est pas peu fiers, hein, on va le poster sur les réseaux sociaux, là, montrer un peu, hein, voir un peu ce que les gens pensent de ce petit bonhomme. Hein, on a fait ce qu'on avait à faire, hein, voilà, hein. On va le montrer sous différents angles. Il est joli, je suis assez content, hein, pour une figurine de jeu, ça fait le job, très largement. Et puis vous verrez sur les photos, il y a un peu plus de richesse dans les tons que ce que vous voyez vous peut-être là, je pense, hein, à voir. Et puis elle, qu'on va essayer d'avancer, voilà, pour la prochaine fois. J'avancerai un peu de mon côté, mais pas beaucoup, pas sur des choses importantes. Ce sera vraiment pour identifier un peu ce que c'est que ces zones-là, pour gagner du temps dans nos travaux, dans nos travaux futurs. Voilà, je vous fais un gros bisou les copains, n'oubliez pas de partager, liker parce qu'après la vidéo reste, de me soutenir sur le Tipeee si vous en avez l'occasion, même un faible montant, je vais peut-être d'ailleurs modifier un peu le ticket d'entrée, je vais voir, ça va peut-être avoir des modificatifs là-dessus, enfin en tout cas les rétributions Tipeee, tout ça, mais ça aide franchement la chaîne, c'est le but. Ça permet ben, voilà, de développer caméra palette, etc. De penser même à d'autres formats. Voilà. Mais ça demande du temps et ben, de l'argent. Toujours pareil. Voilà. Et puis, si vous souhaitez des formations, moi je suis dans le sud, vous n'hésitez pas. Et puis, si vous voulez m'envoyer des commandes, n'hésitez pas non plus. Hein. Je fais du service de peinture sur figurine, j'en fais pas mal. Et c'est ce qui permet, moi, de gagner ma croûte, évidemment. Voilà. Et après, si vous ne le faites pas, c'est pas très grave non plus. Je passe un bon moment avec vous et je suis déjà très content, moi. J'adore faire ces lives, vous comprenez. C'est ma petite bulle d'oxygène. Voilà, ça me plaît. Et en plus, ça permet de se faire connaître. Et puis, mine de rien, ça prend. Hein. Je vois qu'il y a des gens. J'ai de plus en plus d'abonnés. Ça avance doucement, mais c'est sympa. Et moi, ça me fait kiffer. Donc, je vous fais de gros bisous, les copains. Passez une bonne soirée. Buenas noches, voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais déco. Avec un petit générique, hein, quand même. Petit générique, ça fait toujours plaisir, un petit générique. Et où mon générique? Petit générique d'intro, là. Hop, allez. Voilà, impressionnant.